Hello there. Bonsoir, bonsoir. Il faut que j'arrête à chaque fois de faire bonsoir, bonsoir comme ça. Hein. Toujours pareil. Ça va les gens? Les gens et les jantes. Pas les jantes, J-A-N-T-E-S, hein, comme je dis à chaque fois. Hein. Les jantes, G-E-N-T-E-S. De jantes d'âme. C'est de là que ça vient. Pardon. Bon, faut pas que je commence à gueuler, je vais me péter la voix encore. Hein. Je parle trop. Trop fort. Salut, salut Lexa, salut Laure, je sais pas qui c'est celui-là. Salut Imzadi, salut Diana Troy, salut Jack Daniels 76610 et salut Lexa SH25. Non, j'ai déjà dit ça, mince, tant pis, c'est pas grave. Vaut mieux deux fois qu'aucune. Bon, je sais pas, j'ai eu le. Enfin, je sais pas si vous étiez là dès le début. J'ai eu l'impression. Hey yo, Spartan Alan! Interdit ces émotes sur cette chaîne ici. Hein. Le mec qui rejette les émoticônes des autres streamers. Il va se faire incendier quand. Oh, punaise. Ça va? Ouais, puis stream élément, il raconte n'importe quoi. Hein, quand il. Je sais pas pourquoi il fait ça là. Ouais, je jette un coup d'œil sur la. Comment ça s'appelle? Sur la. La variable dans la commande, parce qu'il y a un souci qui va pas. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est bon, il a fait beau chez vous? Ici, aujourd'hui, on a eu une journée sans pluie, avec du soleil en plus. Ouah, ça faisait 8 jours que c'était pas arrivé au moins. Une journée complète en plus! Alors c'est bien parce qu'en plus il a pas fait trop chaud comme il fait. Ouais bon c'est déjà redescendu à 18 degrés. Ouais il fait quand même encore 25 degrés ici dedans. Et voilà, la pièce est tellement petite que elle se refroidit pas. Hein. Alors ça va bien l'hiver mais alors l'été c'est un peu compliqué. Voilà. Bon comment allez-vous bien? Oula, qu'est-ce que j'ai fait tomber? Que ce bruit? Ah oui c'est ma bouteille vide mince. Ouais, d'ailleurs, il faut que je la jette parce qu'elle est pourrie. Bon, je crois que j'ai loupé la poubelle parce que je suis dans la pénombre, mais c'est pas grave. Tant pis. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on va commencer par. Ouais, il n'y a pas 36 000 news, il n'y en a qu'une. D'ailleurs, pendant ce temps-là, je vais lancer le jeu. Comme je suis sur cette scène-là, comme ça, vous n'aurez pas le vieux flash tout blanc qui vous pètera les yeux. voilà. Apparemment, il y avait des bugs majeurs dans les sauvegardes sur Baldur's Gate 3. Comme c'est le jeu qui est un petit peu. Un peu. Comment on va dire ça? Un peu trop joué en ce moment. Ah, le flash dans les yeux. Un peu trop joué et un peu trop streamé aussi d'ailleurs. Ouais, d'accord. Donc il y avait apparemment il y avait des petits soucis. Bon en même temps est-ce qu'il y a un jeu qui sort et qui est sans soucis maintenant? Non. Les jeux sortent tous en alpha comme Star Citizen. Pardon. Oh le troll, le troll, le troll. Voilà. Il faut que je le mette dans le. Je l'ai pas mis dans le. Je l'ai pas mis dans sur le Discord. Tiens, celui-là, j'aurais dû le mettre avant de commencer le live. Voilà. Comme ça, vous l'avez. Si vous avez loupé le live Twitch. Ah oui, j'ai encore.
Ah oui, puis sur cette scène, vous n'avez pas le son du jeu. C'est vrai. C'est bien pour moi, mais c'est pas trop bien pour vous. Ah oui, je vais remonter le son. On va descendre à 50. Voilà, ce sera pas trop fort pour moi comme ça. Voilà. Pas de bug sur SC, j'ai eu que 4,30K depuis ce midi. Ouais, mais en même temps, tu cherches les ennuis, toi. Tu joues 12 heures sur 24 à mi-temps. Ça va plus finir les jeux. Hein? Quoi? Qu'est-ce que j'ai pas compris, Jack? Quoi, les jeux sans bug? Ah, mais ça n'existera plus maintenant. C'est une. Bon, après, en même temps, ça reste de l'informatique. Il peut toujours y avoir des bugs quelque part. Hein. Avec l'infinité de matériel qu'on peut avoir et l'infinité de logiciels qu'il peut y avoir aussi. Comment veux-tu qu'il n'y ait pas des bugs par-ci par-là, à droite, à gauche? Si, dans le logiciel. Enfin, dans le. Pardon. Dans le programme Hello World, qui comporte qu'une seule ligne de commande, ça va. Sinon ailleurs, c'est un peu plus compliqué. Bon, ouais, on va mettre le jeu, hein, puisqu'il a démarré. Waouh! C'est beau, ça marche! Fantastique, tiens d'ailleurs, tant que j'y pense. Tout de suite. Je vais faire ça, comme ça ce sera fait. Oui, ça je peux pas le faire. Alors si, je pourrais le faire en faisant un petit fichier user config pour limiter à 60 FPS en permanence. Ça m'éviterait de retaper la commande à chaque fois. Pourquoi pas? Bon. Bon, je vois que t'as lancé le. Tiens, qui c'est ça, Alexa SH là? Je sais pas qui c'est ça. Bon, je vous invite les gars, hein, si vous voulez venir, vous venez. Si vous voulez pas, ben, vous pouvez rester dans votre coin, il n'y a pas de souci. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait du. Vous voulez continuer à faire des bunkers là? Ah oui, il y a tiens l'autre jour d'ailleurs que quoi il s'appelle, qui est passé. Sur le coup, je lui ai. Ouais, Dougie, qui m'a en plus il s'est abonné à ma chaîne après avoir suivi. Sur le coup, comme on est parti sur des délires là, je n'ai même pas sorti mon rock pour lui montrer un petit peu comment l'utiliser. Tu fais la collection Ah mais attends, mais il y en a qui sont pas à moi là. Qu'est-ce que c'est ce truc là de Jumelor là? Qui c'est ça Jumelor là? Je connais pas. Efface-moi ça tout de suite. Allô? Tu m'entends? Ok.
Non. Ah, ça y est, il a tout pété. Il a tout pété. Je sais pas. Ouais, je crois. Sparte, on m'entend? Oui, Alexa, il dit oui. Moi non plus. Ah, c'est moi qui stream en fait. Alors, ce soir. Attends. Ah, mais parce que j'ai appuyé sur un... Ouais, pardon, c'est parce que j'ai appuyé sur un... J'ai dû appuyer sur un... C'est sur celui-là. Ouais, voilà. Ouais, c'est sur ce bouton que j'ai dû appuyer tout à l'heure. Ça a masqué la source du micro. J'avais pas fait gaffe. Mais alors, vous m'entendez pas depuis le début, alors? Vous ne m'entendiez pas depuis le début. Quand j'ai causé des news... sur Baldur... Enfin, de la news sur Baldur's Gate, vous m'entendiez pas, alors si? À moins que j'ai appuyé après sur le micro, sur le bouton, je Oh, sais t'as pas. dû appuyer après, je pense. Ouais, je sais pas. Je sais pas. J'espère pas. Bon, je verrai sur la rediff. Non, je verrai pas sur la rediff parce que j'aurai pas le temps de la regarder non plus. Jusqu'à que tu décroches Discord. Ah putain, c'est Discord qui m'a foutu la purée encore. Mais non, mais ça aurait pas dû me foutre la purée à ce niveau-là. Parce que ça, c'est sur OBS, c'est quand même indépendant. Ouais, bon, je sais pas, il y a des bizarreries qui se passent, des fois faut pas se poser de questions. Voilà. Principal, c'est que ça fonctionne maintenant. Ah, il y en a encore des tristes qui ont joué avec les chariots là. Coucou, qu'est-ce que tu fais Ah d'accord, il est même pas là le coco. D'accord, je vois son point, mais je vois pas son. Tout va bien, tout est sous contrôle, hein. Oh, putain. Ah oui, puis hier j'ai pas pu me soigner. Ah oui, mais d'accord, en fait t'es assis là en fait pour le coup. D'accord. Ok. Ouais, alors que je te voyais là-bas en fait, de l'autre côté de. De l'autre côté de la. Du. Qu'on s'appelle là? De la belle vue là. N'importe quoi. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait des bunkers? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, Lexa, t'es où? Ah, mais attends, Lexa, tu veux pas Alexa, venir tu en. viens ou tu viens pas? Ouais, qu'est-ce que tu fais? Tu veux pas venir en vocal avec nous aussi si on fait des. Enfin, sauf si tu veux faire. Sauf si tu veux jouer dans ton coin. Et à la limite, si on se retrouve en difficulté l'un ou l'autre, on peut se dépanner l'un ou l'autre pour le coup. Attends, je voulais faire un truc moi. Ouais, je voulais repartir à la. Qu'on s'appelle? À l'hosto. Parce qu'on est Ah, d'accord tu que. voulais ton petit toucher rectal avant de Ouais, voilà, c'est rentrer. ça. Je suis en salle d'attente. Alors attends, je te switch. Ah ouais, alors je comprends pas ça aussi, je vois pas ton pseudo. Attends, je te déplace. Allô? Yo. Oui. Ah, ça marche.
Attends, vas-y. Co Et cause plus longtemps. crois-moi. Ouais, parle un peu plus longtemps que j'ai le temps de régler ton volume. D'accord. Dis n'importe quoi, on s'en fout. Ouais, j'ai baissé. J'ai pas quoi dire. J'ai baissé un peu. Bah, bonjour, comment ça va? Je m'appelle Lexa, j'ai 42 ans et toutes mes dents. Il n'y a même pas 42 ans. Non, mais c'était pour la rime. Et puis nous, après, on va faire comme les alcooliques anonymes, tu sais. Bonjour, Alexa. Ouais, par contre, c'est pénible. Je vois ton pseudo avec un L majuscule et 3 points de suspension. Je sais pas pourquoi. Sur Discord. Hop, moi, je vois tous les pseudos normaux. Ouais, mais sur Discord, moi, j'ai ça. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Et j'en ai plein comme ça. Mais le problème, c'est que... Il a un L majuscule et... Ça me le fait pas tous, en fait. Et puis, il n'y a rien, il n'y a pas de point de suspension. Ça me le fait pas tous, en fait. Il m'a dit chambre 2. Alors, vous savez si on peut se faire soigner, même si on a perdu qu'un pour cent de vie, non? Ah ben, là, je l'ai, le lie down. D'accord, hier soir, je l'avais pas. Je pouvais couvrir l'inventaire du... C'était un bug à cause du serveur. Ben ouais, ça devait être ça, oui. Ça devait être ça. L'ascenseur. Cet après-midi, combien j'ai eu de bugs d'ascenseur, moi? Ah ouais? Ça fait une paix que j'ai pas eu de bug d'ascenseur, moi. Ben, j'ai fait un bunker, le bunker qui montait de l'ascenseur, il m'a mis 300 mètres au-dessus de la planète. Ah ouais? Ouais, des trucs comme ça, j'en ai eu, mais ça faisait un petit moment que j'en avais pas eu. Bon, après, c'est vrai que je joue pas à mi-temps comme certains, moi, 12 heures sur 24, n'est-ce pas, Spart? Ouais, il est très occupé, oui, il est tellement occupé qu'il joue, qu'il joue tout le temps à SC. Pourquoi ce chat en colère, là? D'ailleurs, je t'ai déjà dit, interdiction d'utiliser les émotes des autres chaînes. Si vous n'utilisez pas ceux des autres chaînes, vous n'allez pas en utiliser beaucoup, parce que c'est pas les 4 émoticônes que j'ai. Attends, j'en ai un pour la colère, moi. Ouais, c'est celui-là. T'es pas en tenue si tu veux faire un bunker, là. Si, je suis pile poil habillé comme il faut. Non, là, tu te prends une balle, t'es mort. C'est pas grave. T'as un pistolet médical ou quelque chose? Allez, on fait un petit striptease. Non, pourquoi faire? Pas besoin, moi. Est-ce que j'ai des pyjamas blancs, ici? Moi, j'ai un peu trop d'undersuit. Tiens, un petit pyjama blanc. Allez, hop. Voilà. Tu es où, Lex? Pour l'instant, je suis en chargement. Je pense que je suis en chargement infini. Je vais voir si les entités bougent. T'es en chargement infini? Ouais, là, je suis en chargement. Mais depuis qu'on a lancé, alors, là? Depuis que j'ai lancé, moi? Après vous avoir invité? J'ai relancé, vu que j'avais eu un bug. Là, je suis en chargement depuis. Je regarde le ping, il est bon. C'est quoi ta config? 12600K RTX 3070, 16 Go de RAM. Ouais, ça va. 16 Go sur les versions, les dernières versions de SC, ça tient quand même. Hein. Ouais, mais de toute façon, je pense que je passerai à deux. Après, c'est peut-être la connexion, mais d'habitude, j'y joue sans problème, c'est pour ça. T'as quoi comme connexion? Ah, DSL, je suis pas fibré, je suis fibré dans le 10 août. Ah, vivement! Oui. ça va te changer la vie. Tu t'as pas idée à quel point. Hein. Et encore, moi je suis passé sur une. J'avais du VDSL quand même, donc j'avais un bon petit débit montant, parce que j'avais 8 mégabits par seconde. Moi j'ai une connexion descendante à 20 mégabits et montante à 5 mégabits. Ouais, c'est déjà plus que correct. Enfin, pour jouer, je parlais, parce qu'après, oui. Si tu veux faire autre chose, ça peut être un peu plus compliqué. Et comment ça s'appelle Ah, attendez, bougez pas, j'ai une alarme sur le téléphone qui s'enclenche. Et qu'est-ce que je disais sur le coup, je sais plus. Attends, je vais filtrer les casques parce que j'ai le stuff, moi, il est rangé n'importe comment dans mon... Ouais, j'ai un peu trop de casques aussi, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ah voilà, c'est celui-là que je voulais, parfait. Et... Ouais, donc une... Un bon ADSL. D'ailleurs, ça doit être du VDSL que tu dois avoir. Sûrement. Ouais, ouais.
crois que j'ai pas fait. Si t'as 5 mégabits par seconde de débit montant, c'est du VDSL. Parce que sinon, tu serais limité à 1 mégabit. La DSL, à la DSL de plus, c'est 20, 22, 24 maxi, suivant la distance à laquelle tu te trouves du NRA. Et c'est 1 mégabit montant maxi. Et le VDSL, alors c'est, ça peut être jusqu'à 100 mégabits par seconde, donc une petite fibre en descendant. Par contre, en montant, hein, je sais plus, mais il faut être à côté du NRA hein, pour avoir ces débits-là. Moi, j'étais à 900 mètres de mon... Je suis toujours à 900 mètres de mon NRA, d'ailleurs. Et j'avais, en débit descendant, j'avais 45 mégabits. Parce que bah, au bout d'un kilomètre, on rejoint les vitesses de la DSL, en VDSL, en technologie VDSL. Et en montant, je n'avais que 8 mégabits. Si j'avais été à 400 mètres, j'aurais pu avoir 80 mégabits descendant et 45 montant. Je sais pas quel est le maxi en montant, par contre, pour le coup. Vu. Bon, qu'est-ce que tu nous... Qu'est-ce que t'as comme... maintenant que t'es passé niveau 3, là, en répute, Jack, qu'est-ce que t'as comme... comme bunker. Moi, j'ai un 60 000, là. Ah ben, moi, cet après-midi, j'ai eu quelques 100 000, mais il n'y a plus grand-chose. Ça devient dur d'en trouver, des fois. T'es niveau... Ouais, mais alors, ça dépend, parce qu'en fait, ça dépend de la fréquentation à l'instant T. Et ah, ça... J'étais sur des serveurs à 80, 90... Ouais, mais... Oui, mais en fait, c'est, j'allais y venir, c'est pas que sur la fréquentation de ton serveur. Il faut savoir que les missions, tout comme le stuff d'ailleurs, hein, moi quand je fais du commerce, que je vais aller chercher de l'or sur... Oui, c'est un refresh. Ouais. Si l'on améliorait quand même. Non, mais en fait, non, mais c'est pas ça. C'est que s'il y a 500, AUEC, 500 SCU pardon, de disponibles en gold à SMO, SM018 sur Microtech, ces 500 SCU sont partagés sur tous les serveurs de la région Europe. J'ai un gain facilité, gain trech. Ouais, à 60 000 Ouais. Mais prends-le. Ça y est, tu l'as pris ? C'est le serveur Machine qui est avec Pyro en 4.0. Ouais, je l'ai pris et je regarde si j'ai pas un autre. Moi, j'en ai un à 60 000. Je vais le prendre aussi. Mais c'est peut-être le tien. Hein. Ouais, no contract available. Il est arrivé dans tes accepted direct ? Ouais. Ouais, donc je pense que c'est celui que t'as pris. Bah, tiens, je le partage. D'ailleurs, c'est où ? Parce que le mien, il est sur Barnabas. Je sais pas. Enfin, tu utilises un de mes émotes, Sparte, quand même. Eh ben, pardon, j'avais pas vu ton message. Le mec, il a posté il y a 5 minutes. Pardon. Attends, faut que je prenne le call to arm. En fait, si ça veut bien, hein, parce que j'ai l'impression que le serveur, il est pas trop en... Attends, tu m'as partagé, mince. Ah, là. C'est bon, je suis arrivé. Et Ah ouais, le tien, c'était sur Tamar. Toi-même. Oh, comment tu me parles ? Tu vas te calmer. Hein. Et le mien. Ah, mais t'es pas loin alors. Et le tien, c'est Barnabas. Ouais, non, mais attends, est-ce que je l'ai dans les accepted ? Non, tu vois, quelqu'un a dû le prendre. C'est pas toi parce que c'est pas le même. Mais quelqu'un a dû le prendre au même moment que moi. Pour le coup. Et Oui. Mais t'as vu justement, enfin non, je sais pas si. T'as un double écran, Alex ? Ouais. Ouais, je sais pas si t'es sur mon live. Je prends le live en 4G sur mon téléphone parce que sinon, avec la DSL, pour aller sur un serveur Star Citizen, ça bug vachement des fois. Ouais. Alors, normalement, tu peux abaisser la résolution juste pour avoir le son. Ça bouffe moins de bandes passantes. Ah, le mettre en fond. Ouais. Non, en fait, c'est pas ça, le mettre en fond. Attends, mais je vais te montrer. Attends, faut que je change de scène, par contre. Là. Ici. Je vais bien regarder mon téléphone, comme ça. Ah ouais, mais sur téléphone, je sais pas si tu as l'option de dispo. Attends, je vais aller sur ma chaîne. J'ai recherché la mission pour toi, Lex. Okay. Ouais, mais s'il est pas dessus. Mon téléphone, c'est pas un problème, vu que je suis en 4G, de toute façon. Ah oui, si t'es en 4G, ouais. Mais justement, c'est pareil, pour ta 4G, pour moins bouffer de quota aussi, normalement, sur la vidéo, même en 4G, si tu cliques, comme je suis affilié, j'ai droit à la... Comment ça s'appelle ?
J'oublie le terme à chaque fois. Bref, j'ai droit à plusieurs définitions de live, de stream. Et le maxi, tu vois, c'est 1080-48. Hein. Et là, d'ailleurs, des fois, j'abaisse, moi. J'abaisse à 160p. Bon, c'est dégueulasse. Mais souvent, quand je suis sur un live, je regarde pas parce que je fais autre chose en même temps. Je ne fais qu'écouter. Donc, pour pas trop bouffer de ressources sur ma machine, surtout si je la mets en mode économie d'énergie, je baisse la définition ici. Ça bouffe moins de bande passante derrière, sur la connexion. Bon, après, ça, j'ai beaucoup de 4G, je bouge pas de chez moi, donc. Ouais, bon. Du coup, tu as eu la mission que j'ai partagée? Mais. Contrat, je pense qu'elle a paru. Déjà, je suis bien dans votre partie, ça c'est sûr. Mais si tu as deux écrans, c'est peut-être plus pratique pour toi de le regarder sur le deuxième écran plutôt que sur le timbre poste du téléphone mobile. Moi, je sais que je déteste ça. Hein. Timbre poste. Et si tu veux, je la recherche. Ah tiens, j'ai une Guard Facility Against Hostile à 75 000 qui est arrivée. Hop, je la prends. Alors, Hearthstone. Elle est sur Hearthstone, la mission. Ouais, moi, elle est à Tamar. Ouais, sur HDSF Tamar Et le sur Hearthstone, Harbor? ouais. Ouais, on est à Evrus Harbor, oui. Attends, mais on voit pas ton point? Je Si, suis on voit ton point, ouais, je vois ton point là-haut. sur leur ville. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait? On descend à leur ville le chercher? Non, je vais prendre mon arrow, je vous rejoins si vous voulez. Ouais. Comme tu veux. Comme tu veux. Ouais, Du alors à coup, ce c'est moment-là. là la mission où il faut que je repartage, c'est bon? Eh ben je la vois pas, je n'allais Bah pas dans attends, mon. je la recherche. Ressors de ta Mobi Glace. Ouais, Parce j'y suis. que Je sors le cutlass en attendant, hein. tu me dis quand t'es sorti et puis je recherche. J'en suis sorti là, j'attends le métro. Voilà, là je le Hangar recherche. 3, Jack. Ok, donc F1. Contract manager. C'est où qu'on la voit déjà la mission? Normalement, elle s'affiche en haut, t'as pas besoin d'être dans ta Mobi Glace. Ah, je vois jamais. Ah, je te voyais pas bouger, mais je me doutais que tu arrivais. Non, j'ai rien. Après, c'est peut-être parce que je suis pas encore monté. Non, non, Ah non, c'est peut-être je parle à Jack. Vu que c'est la partie de l'or ou non, je sais pas. Ouais. Non, parce Ouais. que les missions, normalement, ils sont partagés. Mais des fois, c'est buggé, hein. Ouais. Oui, Est-ce que tu vois nos points déjà? Nos deux points à nous, respectivement. ouais, je vous vois, vous. Bon, déjà, c'est. Vous êtes à 240 km, un truc comme ça. Ah merde, mais c'est vrai que le STV, on l'avait pas reclaim pour le coup. Non. T'es à l'intérieur ou pas? Ouais, je suis dedans, moi. Non, parce que je te voyais pas, donc je voulais pas fermer la porte au nez. On t'attend. Tu poses J'arrive. ton cutlass, n'importe quoi. Tu poses Bah, on va ton. chercher ton véhicule, ta voiture. Et puis nous rejoins là-bas. Oui, je vous rejoins à l'avant-poste, ou à la GMS, où vous allez sortir le véhicule plutôt. Ah, C'est ça. tu nous rejoins là-bas? Ouais, je pensais que t'allais venir ici à Evrus et puis qu'on allait tous les trois dans le cutlass. Je peux store mon vaisseau en HDMS aussi. Ah, le Haro, c'est vrai qu'il est assez petit pour être stocké là-bas. Ça me prend de toute façon quand je le claim, j'en ai que pour 1 minute 40 d'attente. Ouais. Moi même là, Et. j'ai mon C8 au pire à délivrer pour juste venir. Ah, puis de toute façon, je vais descendre ouais, sur un HDMS parce que je peux toujours pas faire le plein d'hydro. Attends, je vais essayer ici, mais ça m'étonnerait. Evrus, normalement, ça va, c'est surtout à leur ville et les grandes villes que ça plante. Ouais, mais tu vois, regarde. Là, ça fait 3 fois que j'essaye de faire le plein. Trois fois qu'il veut pas. Alors. J'essaierai de te repartager la mission après. Oh Ça. putain, je vois. Quoi? Qu'est-ce que tu vois? La tourelle, tu te rappelles, hier c'était tout noir. Ah ouais? Là, je vois les boutons. Ah, cool. Ben, ça devait être pété, ça aussi. Hein. Bon, allez, on décolle. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah merde, la scène. La Merci, scène, Spark. la scène. Juste au moment où j'y ai pensé. Qu'est-ce que je voulais dire? Attendez, tiens, d'ailleurs, je vais fermer l'onglet qui était sur le site de machin, là. Image ton vaisseau. Non, non, il est très bien maintenant que j'ai retiré la peinture Il était mieux avant. qui pourrait être très jolie si les textures n'étaient pas toutes dégueulasses en fait.
tout en fait, pété. Comme c'est l'esprit Drake, ils ont fait un truc un peu sur peinture occasion, délabré. Oui. Quoi, la peinture que j'avais là Drake, c'est pas des vaisseaux ouf. Toi, fais gaffe parce que tu vas finir en prison. Hein. Sur le Gladius, ça rend bien la peinture Foundation. Ouais, alors t'es sûr qu'ils ont fait esprit Ouais, ben je pense, vu qu'il y a, des endroits où il y a des impacts, c'est comme. C'est des textures à la Drake toutes cassées. Ils auraient mieux fait de s'abstenir, hein. Un bug d'affichage sur le cul de place. Ouais, mais c'est ça qu'il y a, on sait pas en fait. Oui. Voyons, est-ce que je peux aller sur un HDMS, mais qui est ici? Ah, c'est Star Citizen. Ça, c'est quoi ça? Tiens, HDMS Edmond. Allez, hop. Normalement, il est à 308 km, il doit être de ce côté, donc il est côté, côté c'est jour. C'est le plus près de leur ville. Ouais, et il faisait jour à leur ville, hein? Oui, il fait jour, ouais, puisque il fait jour. Je suis bête, il fait jour côté Evrus. Ouais, et que c'est à l'aplomb. Il est plein de côté. T'as fini Fermemuse avec la tourelle, toi? Je fais rien, je m'allume une clope. Ouais, ouais. Je touche pas à la tourelle. Ah oui, c'est vrai qu'elle bouge toute seule dans tous les sens. C'est à cause du vent, ça. Attention au vent, hein, dans Star Citizen, d'ailleurs. Hein. Ouais. Ça dépend du vaisseau qu'on a. Surtout à pied, en fait. Ouais, à pied, je me suis déjà pris. J'avançais à 2 km/h. Ça me faisait méfier comme pour moi. Et avec un 315P, je l'ai déjà vu voler, moi. Faire des tonneaux. Ouais. Mais tu te rappelles pas les tonneaux que t'as fait avec la Valkyrie? Oui, aussi. Ouais. Il y a un clip pour ça, hein. Faut que je le retrouve, le clip. Attends. Mais moi, j'ai fait tellement de trucs avec les vaisseaux que après, je sais plus qu'est-ce que j'ai fait. Attends, je l'ai intitulé Envole-moi, le clip. Attends, je vais le retrouver facilement, normalement. Ouais, il est là. Attends. Non, je voulais pas cliquer dessus. Attends, partager le lien du clip. Télécharger, non. Copier dans le presse-papier. Voilà. Coller. Le vent fait même bouger le prospector sur certaines planètes. Non mais, il n'y a pas que le prospector, hein. Moi j'ai mon Cutlass qui s'est envolé. Bon, c'est vrai que j'avais pas coupé les moteurs. Mais moteur coupé ou moteur pas coupé, le Cutlass il fait 228 tonnes, hein, donc je suis désolé, hein, 228 tonnes, ça s'envole pas. Hein. Mon Aro, moi j'ai jamais eu de problème d'envolement. Quoi. Mais voilà, il y a des vaisseaux qui ont des problèmes alors qu'ils sont plus lourds que d'autres, va comprendre. Le Karak, j'ai déjà eu des problèmes. Ah, ils ont réglé les problèmes sur la constellation. Parce que quand tu montais sur la tourelle du haut, là, du constellation, bah, tu finissais dans l'espace. Mais en ce moment, déjà, il y a des problèmes avec tous les vaisseaux qui ont le système de docking. Tu passes à travers des fois. Ah ouais, alors ça. Parce que si la station te propose que de te dock, t'es pas sûr de pouvoir y rentrer dedans. Alors, on va commencer par faire le plein, si on peut. Mais ici, ça devrait marcher. Ah ben non, ça marche pas. Je pense qu'il va falloir que je le claim parce qu'il doit être en partie pété à ce niveau-là. Ou alors, attends, j'ai peut-être demandé trop tôt aussi. Attends, je vais rallumer les moteurs pour voir. Il y a un nuage de poussière. On va recommencer. Non, il veut pas. Bon, je vais éteindre les moteurs. Aïe. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Je suis inconscient. Ah ben mince alors. Attends un peu. Parce que en fait, tu vas peut-être te relever tout seul. Ah non, c'était au cul du... Ouais, au cul du Cutlass. Au cul du Cutlass ? Ouais. Médic. T'es un peu essoufflé, oui, on dirait. Ouais, voilà, tu vois, ça s'est calmé tout seul. Non, mais sérieux, bah, tu descends et... C'est ouais, il va me mordre ton vaisseau, là. C'est un haro ou... Non, mais c'est toi qui sais pas t'en servir. Non. J'ai pris le C8 pour venir rapidement. Ah ouais, le C8, ça, il est bien aussi. J'avais pas le claim, il était en délivré celui-là. Après, il y avait pas le feu parce que le temps qu'on sorte le... Ah, ouais, j'aurais peut-être... Ah, je crois que j'ai un Ursa, moi, ce côté-ci.
Ouais, mais le Ursa il rentre pas dans le. Oui, moi je le mets dans mon caractère. Dans le Cutlass. Oh, on aurait dû prendre ton MSR, Jack, finalement. On aurait pris le Ursa. Quoique, on va éviter de faire des missions où c'est qu'on est obligé de se poser à 3 km du. Des bunkers, hein. Oh, le vent. Il fout un bordel. Oh, il y a un roc ici. Ah ouais. Il est ouvert en plus. Est-ce qu'on le vole? Ouais, mais on peut pas, il est verrouillé quand même. Même la porte ouverte, il est verrouillé apparemment. Y'a pas des matériaux stockés, hein. Tu peux l'ouvrir le truc? Ouais, à l'arrière, mais y'a rien dedans. C'est bizarre que tu puisses l'ouvrir parce que normalement il est censé être verrouillé. À moins que le gars il l'ait déverrouillé. Ouais, y'a rien. Ouais, je sais pas. Mais tu poses ton vaisseau là-dessus, toi? Ben c'est le pote qui m'a proposé quand j'ai demandé un landing. Ah, mais en fait, tu demandes un landing. Mais putain, mais alors avec les véhicules roulants, il faut demander l'autorisation de. Oui, il faut demander un landing et il va te dire de. Tu crois que j'y aurais pensé comme un couillon? Ben, apparemment, non. Qui c'est qui éclaire là? Ah, c'est toi. Ah oui, c'est vrai que je suis à Walp, moi. Fais un Walp. Pas complètement, mais bon. Attends. Ah, mais c'est vrai qu'il y a deux consoles. Oui. Alors, attends, qu'est-ce que j'avais dit? Que je sortais le... Ah oui, parce qu'en fait, le STV, je veux le claim, en fait, pour voir comment il va me le rendre. Je suis sûr qu'il va m'y recoller la peinture verte. La peinture dégueulasse. Ouais. Merde, ouais, je peux payer pour 50 AUC. Oui, après, il t'a pas proposé ces pads vu que t'avais un Cutlass un peu plus gros pour les vaisseaux de taille S, il propose ces pads là. Il est nul ton coin là. Y'a pas de bruit. Ah, vous le voyez le STV vous? Parce que moi je vois le point mais je vois pas le véhicule. Ah non, je vois pas. C'est un peu pété. Ah, ouais, c'est bon, il est là. Ah! Bon, on doit être sur un serveur qui doit pas être très frais, je pense. Voilà, il m'a refoutu la peinture verte dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Entre 4 et 5 FPS, le serveur. Ouais, ben ça va, c'est dans la moyenne. Ouais, j'ai déjà eu des serveurs à 10 ou 8 qui étaient un peu mieux. Ouais, moi j'ai eu un serveur à 20-30 FPS. Hein. Oula. Ah oui, Que là, j'étais au fond d'un bunker au sous-sol. Enfin, ouais, au deuxième sous-sol. Et il y avait un PNJ qui était dans un ascenseur au niveau au-dessus. Le PNJ, il m'a décalqué en tirant à travers l'ascenseur, les poteaux, le plancher et tout. Il m'a décalqué. J'ai pas compris. Non, après moi, ce que je fais généralement, quand c'est le soir chez nous, je vais sur les serveurs australiens ou asiatiques, comme c'est 3 heures chez eux et je suis tranquille. J'ai des serveurs constants à vers 17 PS. Ouais. Mais bon, le souci c'est que t'es pas le seul à le faire, moi aussi je le fais. Ouais, et encore que moi je reste souvent sur Best, tant que ça fonctionne pas trop mal, voilà. Best, quand tu mets des serveurs avec moins de 100 personnes, ça va, dès que je passe au-dessus des 100 personnes, des fois ça commence à devenir compliqué. Là on est 104 déjà. Ouais. Et Ah oui, d'accord, je te voyais. Toi aussi, je te voyais te téléporter. Vive les synchros au sol entre nous. Hein. Et. T'as fini de rayer la peinture de mon Cutlass et de mon STV, toi, bourrin? Alors, comme d'hab, papa. J'ai dit tout seul. Putain, ouais, mais quel bourrin celui-là, quand. Bon, les P4 sont là. Est-ce qu'on avait les boîtes? Je me rappelle plus. Non, vous les aviez délivrées les boîtes. Ah, mais c'est vrai qu'on avait fait la mission de delivery, ce qui fait qu'on n'avait plus les boîtes de. Non, t'en avais deux posées sur le côté. Par contre, je crois que tu avais chopé des Avengers. Attends, je te suis à la mission. Mais d'ailleurs, les boîtes, on les avait posées là dans le Cutlass. Qu'est-ce qu'on en a foutu? Attends, j'ai claim le Cutlass depuis? Il me semble que vous pas pourtant. Avez remis dans le ST peut-être. Putain, je sais plus. Attends, je regarde dans mon. La mission, Ah non, merde. Je n'ai rien pour l'instant, après c'est pas grave.
Et faut l'éteindre l'engin aussi. Parce hein. que si on se fait canarder, si t'as pas la mission, on va se faire canarder. Ouais. Dans le vaisseau. Ah oui. Ouais. Il faut que tout le monde ait la mission. Hein. S'il y en a un qui a pas la mission. Au pire, sinon je livre la partie, je reviens. Sinon, quitte tout au moins l'heure, quitte le groupe et refais-le. Ouais. Jeu. Alors, où est-ce que je. Alors, attends. Déjà. Non, je ne veux pas appeler. Si, tu m'as appelé là, j'aurais pu répondre, oui. Ça aurait peut-être. Voilà. Corrigé les problèmes. Attends, partie, qui c'est qui est dans la partie? Eh ouais, donc si tu peux me réinviter. Ouais, je vais te réinviter. Mais je suis pas sûr que ça. Ça remédie au problème. Parce que tu voyais nos points ? Oui, je vous voyais les points. C'est toi qui m'appelles ? Non, j'ai cancel moi. Ah oui, mais en fait, c'est le. Ouais, ouais, j'ai reçu la. J'ai reçu la notif de l'appel quand même. Bon, c'est pas grave. Attends, oui, je voulais cliquer sur le lien. Mais non, mais j'ai pas copié le bon lien, moi. Qu'est-ce que je déconne ? J'ai recopié le lien de. Pourquoi il m'a pas fonctionné la copie-colle du lien, là ? C'est quoi ce bins ? Partager le lien du clip ? Ah, mais parce que j'ai fait intégrer comme un couillon au lieu de faire copier dans le presse-papier. Tu l'as eu, là ? Contrôle V. Là, voilà, c'est celui-là, le clip. Le bon clip. Après, vu que le serveur il déconne, tu vas peut-être avoir du temps avant. Que... Ouais. Merde. Mais t'es pas obligé de l'avoir sur ta mobiglas pour accepter. Hein. Non, non, mais ça va s'afficher en haut de ton écran. Hein. Non, merde, c'est pas ça que je vais faire. Je vais carrément. Je vais demander à un ami aussi au passage. Voilà. Comme ça, au cas où, ça réglera les. C'est accepté. Ouais, mais c'est bon. Je regarde le clip. J'aime bien. Jacques, tu fais. Tu te rappelles de ça? Oh putain. Je fais ça souvent, c'est quand je me fais des frayeurs. Ouais, ouais, mais ça, tu m'étonnes. Là. Tu m'étonnes que tu te sois fait une frayeur là. Déjà. Attends, je vais refermer le truc. C'est toi qui as pris la mission, Jack, c'est ça? Ouais. Et je te l'ai partagé à toi, tu l'as eu. Ouais. Et apparemment, Alexa, ça veut pas. Je vais ouais, mais c'est souvent compliqué, ça, j'ai remarqué. Hein. C'est souvent compliqué. C'est trop cher. Bon, je vais quand même. Vous êtes tous dans le vaisseau, c'est bon? Ouais. Ouais. Je vais quand même décoller en attendant, là, on va pas rester là. Quoi qu'on est bien ici. Tu peux prendre la toile si tu veux. Moi, je vais m'asseoir dans le lit. Ah si, tiens, je vais essayer de refaire le plein. Bah, pour voir. Oh là. S'il veut bien. C'est bizarre, la visée prend très dans le... Non, il veut toujours pas. Il faudra que je tente de faire le plein sur un pad à Evrus Arbor. Parce que les pads dans les stations... Ça marche contrairement au hangar en fait. Enfin, ça marche. Je vois que là, c'est censé fonctionner et c'est pété aussi, mais bon. Ouais, mais là, je viens de penser à un truc. Quoi? Tu penses, toi? Oui. Pardon, pardon. On a une voiture de place. Ouais. On est combien? Eh bien, on est deux. Trois. Dès que ça. Non mais on s'en fout, pour l'instant on fait des missions où c'est qu'on peut se poser juste devant le bunker, donc c'est oui, pas grave la voiture. Il n'a pas la mission, donc il faudra pas se mettre devant le bunker. Ah, attends, je vais essayer de te la partager la mission. Mais je pense que c'est parce que j'ai rejoint après le premier cher et que pour la prochaine, s'il y a un nouveau cher, ça passera sans problème. Attends, je te recherche la mission. T'as reçu le partage ou pas? Ouais, j'ai vu un truc contract apparaître. Mais ouais, voilà. Moi aussi, c'est pas une mission, c'est pas la même que moi. Parce que moi, j'ai reçu aussi la mission. Là. Oui, non, mais d'ailleurs, tu vois, le système est pas parfait parce que c'est la mission que t'as pris et que tu m'as partagée, que j'ai acceptée. Et quand je te la repartage, tu peux l'accepter, toi, alors que tu l'as déjà, puisque c'est la tienne.
Déjà, j'ai le coltan. Je vais regarder même. Parce que ça se trouve. Ah, attends, non, autant pour moi. Non, non, c'est moi qui me suis foutu dedans. Pardon, pardon, j'ai partagé la 75K. Pardon, pardon, parce qu'elle était sélectionnée, autant pour moi. Et ouais, on peut pas les ranger dans l'ordre. Non, autant pour moi. Alors attends, je te partage la 60K de Jack. T'es prêt, Alex? Ouais. Là, go, c'est parti. Pardon, pardon, c'est my bad, j'ai fait le pitre. Ouais, je me disais... T'as reçu ou pas? Non, rien. Ouais, ça marche pas. Hey, j'ai un de Grimstat. Quoi? Ah oui, tu sais pourquoi? Pourquoi? T'as une amende peut-être? Parce que t'es rentré comme un bourré avec mon STV dans mon cutlass. Donc, agression en zone d'armistice. Tu feras gaffe la prochaine fois, bien fait pour toi. Bah non, c'est pas moi. Je te ramène à Evrus pour que tu payes ton amende ou ouais, tu veux aller à Kletcher ou... Bah, ça sera mieux que je paye l'amende et puis... Tu veux aller à Kletcher Non, non, je veux payer l'amende et puis basta. Avant de faire la mission... du coup, tu l'as eu la mission ou pas? Non, mais... Non, non, il a... J'aurai mon arrow, je vous suivrai pour la prochaine, on verra si ça marche. Il l'a toujours pas eu. Mais oui, mais c'est pareil que tu viennes avec ton arrow. Ah oui, mais il faudra que tu viennes à... Mais je resterai de loin, c'est ce que je veux dire. Ouais, après, bon, en même temps... C'est grave, de toute façon, que tu l'aies... Ah si, il touche pas le pognon. En même... Si, même s'il est à 10 000 km de là, à partir... Ah non, attends, il l'a pas partagé. Mission, ouais, il a pas la mission, je déconne, oui. J'en ai l'argent, ça. Ah ouais? Parce que moi, ça aurait fait un peu de répute en même temps. Moi j'en ai pas beaucoup de l'argent. Hein. Ouais, moi c'est pareil. 5 millions, non? Ouais, 5 millions 5 bientôt. Non, moi je suis qu'un petit million. Oui, bon, j'en ai un peu plus que toi parce que moi j'ai avec un C2, j'ai farmé un peu de crédit. Et encore là, bon, j'ai 200 000 de rabiot. Attends, il faut qu'on remonte à Evrus. Où est Evrus? J'ai tout dépensé pour équiper tous mes vaisseaux. Bon, allez, on va pas batailler, on va... Ah, moi, il y a tellement de wipe et tout ça sur ce jeu que je les équipe même pas. Non, mais moi, c'est les prospecteurs, par exemple, surtout que je me suis trompé au début. Pour prospecteur, j'ai pris une Helix 2 qui est pour le mol et pas une Helix 1, donc j'ai perdu 100K. Rien que sur ah oui. Ah oui. Mais moi, j'ai 200K de rabiot parce que Zuzok m'avait passé 200K parce que lui, il avait 30 millions à un moment donné. Ah ben tiens, le voilà, Zuzok, quand on parle du loup. Salut! Tu te mets sur un pad et puis... Attends, toujours à l'hôpital en tant que patient car je fais des syncopes à la chaîne. Ah ben d'accord. Oula. Ça c'est pas une bonne idée, une bonne nouvelle, pardon. Yosu. Je te demande pas comment ça va du coup. Et non. ça va pas si bien que ça pour le coup, non? Bah... Ah, je vais pouvoir. Comment ça se fait que je peux. Ah, mais parce qu'en fait elle est devant ici la station? Ouais, elle est devant, mais c'est pour ça. T'as quoi? Ah ben. Il doit être en observation et ils ont pas dû identifier encore. Hein. D'où vient le problème? C'est la question. Ben voilà, c'est la question. C'est en investigation encore. Une fois j'ai fait un malaise, j'ai dû rester presque 5 heures d'urgence à attendre un résultat. Et oui, parce que le problème, il faut trouver d'où ça vient le souci. Il faut faire des examens et tout. Et à la fin, ils ont trouvé parce qu'ils ont fait un petit test et c'était un manque de glycémie, mais ils avaient pas fait... Il en a fait du temps. Moi, ça fait 2 jours, mais au calme. Ouais. En plus, il est médecin, donc il est à l'hôpital où il travaille. Et docteur Maboule. Il travaille. Il doit mieux manger que les patients. Pas sûr encore. Ah ben tiens, il y a un pad là. Il dépense tout son argent sur les vaisseaux de Star Citizen. Alors, ouais. Du coup, il mange que des pâtes. Ouais, et c'est pour ça, ah ben c'est ça en fait. Des pâtes et du riz. Bon, ceci dit, s'il bouffe que des pâtes, les pâtes c'est bon pour la glycémie hein, en principe. Hein. Ça dépend si c'est un hôpital public ou une clinique aussi. Et puis la dernière fois, il nous a dit que son chat mangeait mieux que lui. Alors ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais tu sais qu'il y en a beaucoup comme ça où c'est que leurs animaux mangent mieux qu'eux. Il y en a qui se sacrifient pour donner à bouffer à leurs animaux. Ah oui. Parce qu'ils n'ont pas assez à bouffer pour eux-mêmes. Enfin, pour les deux, quoi, je veux dire. Il y a une carcasse d'Esperia. Ouais, j'espère que ça gênera pas pour que je puisse refaire le plein. Ouais, c'est un Esperia. Tu vas payer ton amende, Jack, pendant que je fais le plein, là? J'y vais. Et sans déconner, hein, dans quel jeu, hein, entre potes comme ça, là,
Hein, y en a un qui dit à l'autre, ouais, tu vas payer ton amende pendant que je fais le plein, franchement. Ah oui, peut-être dans GTA 5, peut-être. Non, y a pas d'amende. Non, y a pas d'amende. Tu peux tuer. Si, y a des amendes. Bah... sur des serveurs privés en GTA RP, moi, j'ai vu des flics qui arrêtaient des mecs qui faisaient des excès de vitesse, ils leur collaient des prunes. Hein. Hangar, je l'ai pas fait partir, tu peux rentrer. De suite. Non, c'est pire. Alors, je sais pas à quoi tu disais que c'était pire. La D5. Mon chat est dans ma chambre d'hôpital avec 3 gamelles morts de rire. Quoi, rien que ça, 3 gamelles? Mais attends, mais t'as eu le droit de le... Ouais, bon, quoique c'est vrai que t'as des collègues... Ouais. Parce que normalement, les animaux, ils sont pas acceptés dans les hôpitaux aussi. Est-ce qu'il y a un truc là-haut là? Je suis désolé, je suis un peu loin de toi, sinon je me serais proposé pour te le garder, mais... Non, merde, c'est pas là que je voulais cliquer, moi, c'était là. Non, définitivement, mon cutlass doit être plutôt pété parce que je peux pas refaire le plein. T'as encore des chariots? On peut acheter de la bouffe dans le bar, celui-là, je sais pas. Oui, tu peux acheter des tacos. Ma mère vient le chercher dans 30 minutes. Ah, bon, ça va. Je vais prendre de l'eau. Lui est sauvé, au moins. Toi, peut-être pas, mais lui, au moins, ça ira. C'est où, Everus, qu'on retire... Elle est où, la burne? Ah, la burne. Burne toi-même. Il faut monter à admin. C'est juste à côté de la porte d'admin. Ok. Donc c'est à Galeria. Ouais, ouais. Je sais où il est. Bon, je peux toujours pas faire le plein, moi. Je savais pas où l'endroit exactement, mais tu m'as dit admin, donc... Et là, t'as vu? Ouais, il est là. Là, je suis sorti. Ah non, j'avais vu mon vaisseau décoller tout seul, vu que j'ai pas coupé les moteurs, mais non. Je déconne. Il est dégueulasse, la station, par contre. Il y a des combinaisons partout, il y a tout. Ouais, non, mais les gens sont dégueulasses. De toute façon, ils jettent tout partout. Change de pad. Ouais, je vais essayer, mais ça fait... merde, je sais pas, les moteurs, je voulais couper. Ça fait hier soir, dans le hangar, et tout à l'heure, avant de décoller aussi du hangar, j'ai voulu le faire le plein, c'était pareil. Là, on arrive de HDMS Edmond, généralement sur les pads des mining stations au sol. Ça marche bien, mais là, ça a pas voulu. Après, là, c'est peut-être l'Hesperia qui bloque. C'est vrai. Mais le problème, c'est que tu vois, là, sur celui-là, il y a un morceau de... C'est un morceau de MSR, ça, avec les bords pétés. Ouais, on dirait. Donc, je pense pas que ça marche mieux ici. Hangar 3. Ouais, ça, un MSR. Ah, mais attends, mais... Ah, mais en fait, il touche même pas le sol. Bah, tant mieux, du coup, il gêne pas. Ouais, non mais ouais, mais tu vas voir qu'il va me tomber sur le coin de la gueule parce qu'au bout d'un moment il va se synchroniser avec moi. Et en fait il est là pile où j'ai atterri. Je vais essayer de me dépêcher de faire le plein. Du coup, est-ce que ça marche de faire le plein? Le MSR. Ah, ça marche ici. Qui a une fine base. Ouais, alors attention, attention à ce que tu dis parce que Jack est propriétaire de MSR ici présent. Ouais. J'en ai vu beaucoup le présenter comme un starter. Mais un starter à 300 euros déjà. Non, c'est pas un starter. Non, c'est pas un starter. Non, non, mais je suis pas payé à terre dans MSR, mais non, c'est pas un starter. Beaucoup le présentent comme le starter multi-role pour tout. Ouais, mais non. C'est pas fait pour tout. C'est cargo, transport de données. Voilà, c'est ça. Alors, le jour où le transport de data sera bien implémenté dans le jeu et correctement et suffisamment, avec un gameplay suffisamment avancé, peut-être qu'il sera... beaucoup plus intéressant comme vaisseau parce que tu peux aussi rentrer un Ursa dedans. Donc par exemple aller faire des missions bunker à plus de 3 voire 4, 5 ou 6 personnes. Je sais plus combien il y a de places dans un Ursa. C'est mieux que le Terrapin sur un 3 places. Voilà. Donc c'est un 3 personnes. Ouais, mais tu peux aller faire des missions avec beaucoup plus de personnes. Jusqu'à 6 je crois parce que dans le Ursa il y a 4 fauteuils derrière plus pilote et copilote, non c'est ça? Là, tu regardes dans le MSR, il y a le pilote, le copilote, deux tourelles, plus mais un scanner. Il donc, a popé après le MSR. En gros, 5 personnes. Le MSR, quoi, qui est au-dessus de ma tête là? Ah non, tu as changé de pad. Oui, je suis pas de 4, hein, je me suis mis de l'autre côté, ça a marché. Merci pour l'astuce, d'ailleurs, Zuzo, que j'y aurais pas systématiquement pensé. Après, t'as deux pads de l'autre côté de la grosse croix. Ouais, mais bon, là, je vais pas bouger, là, pour pas qu'ils me cherchent. Ouais. T'es où, Lex? À côté de toi, si tu te mets en F4, tu devrais me voir.
Ah oui, putain, mais c'est vrai que le Haro, il est pas gros comme vaisseau. Tu le vois au même endroit que moi, le MSR? Non. Juste devant le Mercury. Ouais, en Ouais, je te le lévitation prends là. sur la gueule. Ouais, attends. Bien envie d'essayer. Et d'ailleurs, il a j'ai l'impression qu'il a le nez planté dans la station, non? Attends, le bouge pas, il y a. Aïe! Oh, je t'ai vu, Jack, t'as glitché dans le plancher de là. Oh, bordel. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça y est, Ah oui, tu t'es TP. Non, le haro est bien parce qu'il a deux tailles 3 en dessous et une remote avec deux tailles 2. Oui, alors après, c'est un vaisseau qui est très bien armé, qui est même plus armé que le Cutlass. Mais Mais pour le fight agile, le Gladius et lui, ils sont bien. il a aussi un peu plus de stockage qu'un Cutlass. Mais pour l'instant, il fait pas mieux qu'un Cutlass. Le Cutlass est tout aussi polyvalent, en fait. Tant qu'il n'y a pas le gameplay de Data. De quoi? Le Un peu. MSR. Ouais, le MSR, ouais, Ouais. il a plus de cargo. Mais je crois qu'en plus, il y a aussi Il est le... en poil mieux armé. Bon, je reste pas trop. Attendez. Bon, je reste pas trop. Je suis en 4G. Je suis à 98 Go sur 100. Ah ouais. Ah ouais, mais tu m'étonnes. Au bout de 2 jours. Bah, Le à terrapin, plus. c'est du transport de données aussi, je crois. Quoi ça? Non, le vaisseau terrapin, il fait aussi du transport de données, je crois. Je sais même pas si Non, le c'est terrapin, ça. c'est pas un transport de troupes plutôt? Non, toi tu confonds avec l'autre là, le. Ah non, Je sais plus. Celui-là, c'est un gros cul là. c'est le Valkyrie, le transporteur de troupes. Valkyrie, Ah, transporteur de troupes. Le gros le. cul. Ouais, le Le Vulcan. suppositoire là. Qui va très très vite, mais en ligne droite. C'est du Drake, ça aussi d'ailleurs. Transporteur. Très très vite qu'en ligne droite. Ouais. Le Herald. Ouais, le Herald, voilà. C'est Ah un Drake. oui, c'est un Drake. Et c'est Ben. lui aussi, il fait Là, c'est transport un data, non? transport. Oui, c'est un transport de données, lui. Ouais, il me Mais semblait bien sinon, aussi. t'en as un autre, c'est. Je sais plus c'est lequel. C'est un tout petit vaisseau. T'es Il a une rentré tourelle. dans le Cutlass, Jack? Je te vois pas. Oui, je Vulcan. suis dans la tourelle. Bon, je peux Je vais décoller. dire Vulcan, Terrapin ou je sais plus l'autre. Attends, je vais essayer de te Le Terrapin. repartager la Ah oui, mission. je crois que c'en est un, transport de données, mais je suis pas sûr. Celui-là qui a la sorte de gros rond radar sur le toit. Ouais, c'est le Terrapin, ça. Ouais, Attends, c'est le. accepted. Que je me trompe pas, c'est celle à 60 000 qu'il faut que je partage. Je te la recherche. T'as reçu ou t'as pas reçu? Un reçu au Perspara. Ah, attends, je sais ce qu'il faut que je fasse. Mais ça va peut-être pas fonctionner, mais je peux pas t'appeler à partir de là. Invite tout channel, c'est ça? Non, Mais le c'est là. Terrapin, c'est plus un Non, truc c'est là. d'exploration aussi. Je t'appelle là. C'est Tu un reçois Viking. l'appel, Alexa? J'ai rien sur ma. Ah ouais. Vas-y, réponds. Ouais, qu'on voit ta tronche. Sais pas si ça a répondu. Ouais, ça a répondu, mais j'ai un écran blanc. Moi, je vois rien. C'est buggé, c'est pété. Bon, rien qui marche ce soir. Vas-y, termine la com. Parce que je veux pas la terminer moi pour Ouais. voir. Alors, il faut que j'aille où dans Comlink. T'as la croix à Ncom Ah, c'est bon, normalement. je vois la tête. Ah ouais? Moi je te vois toujours pas. Donc, Chelou. Ncom. Alors, c'est bon, c'est fini. Ouais, voilà. Et maintenant je vais te repartager la mission. Attends. Non mais c'est pas là, je suis bête moi, c'est ici. Je suis n'importe quoi le type. Voilà. C'est celle-ci qu'il faut partager, cher. Tu l'as toujours pas? Non, pas grave. Bon. Ah, après, sur Hearthstone, je pense savoir pourquoi ça va pas s'afficher pour moi. Je T'as crois pas que la répute? sur Hearthstone, j'ai même pas fait le Security Contract Evaluation. Je devais Ah, la faire en tu dehors. crois que ça viendrait de là? Et j'ai démarré Ah, par une euh, chose. en, avoir fait, moi. en même temps, ça resterait logique. Si, si, t'as dû la faire. C'est la première évaluation pour commencer la réputation chez eux. Ouais. Dans Ah. les mercenaries, effectivement, si t'as pas fait le contract, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs là, Je c'est vais la peut-être à faire cause de ça. aujourd'hui. Et pour le coup, dans ces cas-là, ce serait cohérent hein, si t'as pas fait les certifs. Ouais. Parce que c'est le Effectivement. seul endroit où j'ai pas fait la certification. Quelle idée, toi aussi.
Et ça fait beaucoup de certifications entre le Bounty pour les VHRT, les VLRT, tout ça. Mais attends, mais moi depuis que la 3.19.1 est sortie, je suis niveau 4 sur Hearthstone Security, mais ailleurs j'ai rien. Oui, mais moi j'en ai monté plusieurs. J'ai Hearthstone, la Bounty est montée, Crusader, j'ai monté le Mercenary et le Bounty. Ouais, non, mais justement, moi c'est ce que je te disais, j'ai rien monté d'autre moi. Parce que tu dois jouer plus que moi, je pense, pour le coup. Ouais, oh, ça va, je pense. Oui, un peu plus. Bon, mais ce qu'on va faire, on va aller faire la mission tous les deux, Moi, Jack et moi. Attends, merde, il est où le point de la mission? Après, moi, vu que je suis en vacances, je peux jouer tous les jours. Il est en face de nous, là, derrière. Je le vois même pas, punaise. Non, c'est sur la gauche. Un peu le plus bas. Attends, mais Ah, mais attends, non, sur la droite, pas sur la gauche. Ah, ça fait bouger ma tourelle, alors, du coup. Ah, mais t'es dans la tourelle, c'est pour ça, d'accord. Ouais, je comprenais pas, tu me disais à gauche alors que c'était à droite. Hein, qu'est-ce qu'il dit, le monsieur? Voilà. Ouais, du coup, là, c'est en face. Bon rétablissement, en tout cas, Zuzo, je sais pas si t'es toujours là. Non, il a dû couper depuis le temps. Hey, c'est fou qu'il ait pas le wifi, en plus, là-bas. Ouais, alors, le wifi à l'hôpital, comment te dire? Le wifi patient... Tu l'as déjà utilisé, le wifi patient? Après, moi, c'était une clinique, ils étaient un peu mieux sur les trucs. Mais... Ouais. C'est la clinique Matabio? Non, clinique de l'Union. Ah oui, clinique de l'Union, c'est vrai. Mais je connais un peu là-bas. Hein. Après, moi, c'est parce que j'étais en stage pour mes études là-bas. Et comme j'avais fait un malaise, il y a un bureau qui m'était tombé sur la tête là-bas, j'avais été pris directement. Un bureau qui t'est tombé sur la tête? En faisant le malaise, en fait, ça déplaçait un bureau et je me suis pris le bureau en même temps. Oh là là. Mais vous les cherchez, les gars? Non, merci, c'est dans le sens. Ça m'avait fait une semaine d'arrêt pendant mon stage de 5 semaines. Ah ouais, c'est pas mal, ça. Adieu 20% du stage. C'était pas vraiment le stage qu'elle avait avec mes études, donc. Tiens, il y a un Cutlass Black, c'est peut-être le mien. Ah, ben non. Ah, non, puisqu'on est dedans. Merde alors. Merde. Pourquoi tu tires? Je sais pas. Et pourquoi tu pousses? Pardon. Eh, pourquoi tu tires? Parce qu'il y a un Cutlass. Il doit être abandonné ce Cutlass, je pense. Ah ben moi, devant les avant-postes, combien je vois de vaisseaux abandonnés. Ouais, d'ailleurs, ça finit par être des cimetières, on peut même plus se poser devant les escaliers. Enfin, devant l'entrée, pardon. On doit se poser loin. Je me fais pas chier, je tire un missile dans le tas, moi, des fois. Ah ouais, carrément. Le mec, il tire des missiles. C'est moi qu'on traite de psychopathe. Ouais, c'est clair. Remarque, toi aussi tu es un psychopathe, hein. Non. Alors l'autre jour, ce que j'ai fait... J'ai fait ça, en fait. Et ça a fait le ménage. Merde, je suis pas au-dessus, là. Je déconne. Oh. Est-ce qu'il y a des trucs qui se sont envolés? Non, ça bouge pas. Bien sûr, comme par hasard, ça va pas bouger, là. Et il est en bon état, en plus, le Cutlass, apparemment. Ouais. Attends, je vais me poser là, tiens. Bah tiens, d'ailleurs, je vais me poser dans ce sens. En marche arrière. Enfin, pas en marche arrière, mais avec la rampe. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Il y a du vent. Ouais. Non, c'est pas qu'il y a du vent, c'est que j'arrive pas à centrer ma souris quand je suis en vue F4, hein, parce qu'on voit pas où elle est. Merde, je croyais être plus bas que ça. Bon, c'est pas grave. T'étais en train de descendre de la tourelle, Jack? Ouais. Ouais. Allez, ouvre-toi la porte, là! Oula, ça sent la 30K, alors, non? Non, moi, je... Et trois fois que je maintiens Y pour sortir et je peux pas sortir. Non, je peux tirer, par contre. Ouais, c'est cool.
Bon, il a fallu que je me remette en vue interne pour sortir. Je cherchais pas. Les choix de sortie. Ouais. Et la porte intermédiaire là qui met 3 ans à s'ouvrir aussi. Okay. T'es allé voir le cutlass? Ouais, je comprends mieux. Il est sur une lumière. Et ah ouais. La rampe. Ah ouais, tu m'étonnes. Et le mec, il est descendu et il a pas pu remonter dans son vaisseau. Mais je comprends pas parce que s'il a un tractor beam, il y a des objets. Enfin oui, il y en a peut-être pas suffisamment ici. Et puis c'était peut-être un peu trop haut quand même. Tiens, j'ai envie de tester un truc. Ah t'es parti. Attends avant de faire la mission, Jack, reviens. J'ai envie de tester un truc. Qu'est-ce qu'il veut faire? Tu vas voir. Des expériences. Voilà, des expériences. T'as compris tout de suite, Lex. Ouais, mais quoi comme expérience? J'avais compris qu'il voulait tester un truc. Tu vas voir. Tu vas essayer de monter dans l'autre cutlass avec ta voiture? Non, pas avec la voiture. Avec la voiture, je peux pas parce que la rampe est trop haute. T'es monté dans le... Dans le cutlass, non? Ouais, monte dans le cutlass. C'est pour la science. Tu me dis quand t'es dedans, parce que là, je te vois arrêté sur la rampe, en fait. Je suis dedans. Okay. Je suis à côté de la roue arrière de ta voiture. Merde, attends. Ah oui, mais maintenant, je te vois, tiens. Ah, tu veux te mettre au cul? Voilà. Et que je passe dans l'autre cutlass? Ouais. Oh, putain, merde. En vertical, c'est chaud. Attends, il faut que je baisse mon vecteur de vitesse. Hearthstone Security, c'est bon, je suis niveau 1 de... Tu me guides? Descends. Ah ouais, mais attends. Descends. Ouais, mais si j'avance... Ah, mais le terrain est en pente, si j'avance, là, je vais me poser. Oula. Quoi? Mon roi commence à fusionner avec le sol. Attends, bouge pas. Non, t'es trop loin, là. Oh putain, non, t'as pu sauter. Oh, c'était magnifique, ça. Ah ouais, moi, je suis un ninja, moi. Ouais, je vois, oui. Bon, mais t'as gagné un cutlass. Ouais. Pas du tout le gagner. Hein. Non, mais tu le bouges, tu le reposes à côté. Si j'explose pas. Non. Ça explose pas, si les cutlass. Ça explose pas, les cutlass, c'est indestructible. Tu vois? Regarde. Ouais, mais t'es même pas lock, apparemment. Ben, apparemment, non. Mais attends, mais lock, c'est... Lock et délock, c'est juste pour les... Comment ça s'appelle? Pour les ouvertures, hein? Ah. Pas pour le moteur, hein? Là, si tu fermes les portes... D'ailleurs, s'il est véritablement lock, je crois que tu pourras même pas fermer les portes. Je vais essayer. C'est où que tu vois le lock? Ah, je sais pas, faut fouiller en F sur le cutlass. Moi, j'ai affecté une touche pour déverrouiller, mais ça marche pas systématiquement, en fait. Ça marche pas sur tous les vaisseaux. J'ai foutu la touche plus, je crois. Non, la touche plus, c'est pour ouvrir fermer les portes. La touche juste à côté. Mais d'ailleurs, attends, je vais tester, moi, si d'en bas, je peux ouvrir, fermer. Ouais, tu vois, je clique sur close, ça fonctionne pas. Il est bien verrouillé. Il est bien verrouillé parce que même dedans. Oh, vas-y, je sors, on s'en fout. Ouais, même dedans, tu vois, je peux pas ni ouvrir. Là, c'est pété, je peux même pas ni ouvrir ni fermer. Ça va dépanner quelqu'un s'il est des. Ouais, mais sauf qu'il faut le déverrouiller, c'est mieux. Mais non, il peut toujours décoller. Oui, tant qu'on le laisse comme ça, effectivement, oui. Parce que. On peut pas cliquer là, hein, non. Alors attends, si j'appuie sur la touche. Non, c'était quoi le message en rouge que j'avais vu? J'ai pas fait gaffe.
Attends, sur le cutlass, je peux peut-être pas... Ouais, c'est là. Close. C'est de l'autre côté, alors? Non, je sais plus où c'est. Ou alors sur le cutlass... c'est là. Non, ça, c'est l'engine. Ici. Power off, c'est pas ça. Je sais plus où c'est qu'il est le bouton sur le cutlass. Il y est peut-être pas, justement, sur le cutlass. C'est pour ça qu'on peut pas le déverrouiller. Pour le coup. Oh, j'ai pas beaucoup de FPS ici. Pouh! Bon, allez, c'est pas grave. Tous les vaisseaux, c'est un peu normal. Ouais, on va le laisser comme ça, tant pis. Bon, on va défoncer tous ces gens là. Ouais, poil aux gens. Poil aux jambes. Le cutlass, il est à Fatboy 467. D'accord. Tu l'as déloqué? Non, j'ai pas pu parce que la touche fonctionne pas. La touche que j'ai affectée sur mon clavier. Et sur l'interface, j'ai pas trouvé non plus les le bouton. J'ai trouvé le bouton pour ouvrir fermer les portes, close doors et open doors, mais j'ai pas trouvé le bouton pour déverrouiller. Je sais, il est peut-être pas implémenté. Si, pour les portes, c'est implémenté normalement. Sur le cutlass, pas pour ouvrir fermer, pour déverrouiller. Ah, pour déverrouiller. Ouais, pour déverrouiller, c'est pas implémenté sur tous les vaisseaux. C'est pour ça que ça fonctionne pas sur tous, d'ailleurs. Ouais, parce que je sais que sur le Karak, ça fonctionne, mais pour les autres... Est-ce qu'il y a un couteau, là? Ouais, il y a un couteau, cool. Ah ouais, mais le couteau... Si, je peux le prendre dans la main. Ouais, je peux le prendre dans la main, donc je pourrais... Attends, je l'ai, là, sur moi, le couteau? Ouais, je l'ai dans la main. Donc, quand je ferai un... Un clic molette... Ça marchera. Combien il reste? 30 secondes. Ah ben là j'ai une... C'est quoi ça? Ah, c'est un sniper. Non merci. Je l'ai pas ramassé, tant mieux. C'est toujours mieux que de pas avoir d'armes. Non, je préfère encore un couteau dans ces cas-là. Parce qu'un sniper là dans un... Dans un bunker, un truc fermé. Non, je préfère y aller à la P4 et encore, je fous même pas de. Non, un P6. Ouais, mais P6 c'est pareil, c'est un fusil plutôt sniper. De loin sur les rake sites, les Karak écrasés ou les avant-postes, oui, de loin, oui, mais là dans des trucs fermés, moi le sniper, zéro. Hein. T'en as buté un, Jack, déjà? Putain, il est efficace Jack ce soir. Oh là là, ils sont tous là les mecs. Bah ouais. Oh punaise. Aïe. Tu veux de l'aide ou... Ouais, parce que je me suis fait décalquer. Attends, mais je peux me soigner, j'ai un... Oh non, c'est bon. Ouch. Ah ouais, mais seulement je peux pas ramasser mon couteau, c'est nul ça. Tu les as tous liquidés là? Non, il en reste 3. Attends, je passe hein. Non, heureusement que j'ai pas passé. Il en reste 2. Attends, mais t'es où? Je te vois pas. Oh putain, ouais, d'accord. J'ai un peu morflé. Le dernier, lui. Il est là, je m'en occupe. Je l'ai saigné à blanc. Mais j'ai un peu morflé. Ah, pas tant que ça, t'as pas crié médic. Ouais. Parce que j'ai pas l'habitude de crier médic. Y'a des mecs en armure lourde là que t'aurais buté en bas ou pas? Non. Quoi ça? Il n'y a même pas du médium, parce qu'il me semble que ce que j'ai vu, c'était du light. Non, je crois pas. Oh, c'est la dèche. Ils ont pas poutré un garde? Non, même pas. Hein. J'ai pas vu. Je crois pas. Bon, on va rester comme ça. Il me poussait, Maurice, là. Maurice? Qu'est-ce qu'il fait là, Maurice? Il regarde, là, il me pousse dans un coin, là, je sais pas ce qu'il veut. Là. Ah ben, d'après toi, qu'est-ce qu'il veut? À te pousser dans un coin. Dégage. Et je peux pas te taper, là, sinon je vais me taper des French Tat.
Et d'ailleurs, t'as payé ton amende? Ah ouais, t'en as eu pour combien d'ailleurs? J'ai pas regardé, j'ai payé. Ah, le mec, il regarde même pas combien ça lui coûte. Il paye direct. Et du coup, je pense que pour le prochain, ce sera bon parce que la réputation Hearthstone Security a commencé à apparaître dans mon glyphis. Ah oui? Je l'avais même pas avant. Là, il est apparu maintenant. C'est le côté riche, ça. Ouais. Tu te poses pas la question? Ouais, je tire avant de regarder, moi. Je vais faire la même connerie que l'autre jour. Où c'est je me suis trouvé. Il y avait trois ennemis, trois pirates au milieu de l'ascenseur. Et puis au milieu des pirates, il y avait un comment ça s'appelle? Un garde qui avait pas de triangle au-dessus de sa tête, bien entendu. J'ai tiré sur qui? Ben, sur le garde, bien sûr. Ben moi, ça m'est arrivé une fois et je remercie les serveurs qui rament parce que du coup, il a pas vraiment pris ses balles avec le lag et du coup, j'ai pu garder l'émission. Bah, il y a un garde là, si tu veux, qui est là. En bas. Si tu veux une armure. Alors, pour le coup, je me demande s'ils ont pas affecté une certaine tolérance pour la prise des balles sur les gardes. Parce c'est que possible. Moi, ça m'est arrivé de coller une balle ou deux. Alors peut-être il les a pas pris, peut-être parce que c'était ta raison. C'était peut-être à cause du lag du serveur. Qui sait, j'en sais rien pour le coup. Mais pour le coup, ça m'est arrivé deux ou trois fois d'au moins coller une balle sur un garde. Et non, je me suis dit, tiens, je vais finir en... Non, moi, j'ai... En crime stat, et puis non. Des fois, je vois j'en vois un, je l'allume direct. Ouais, mais moi, ce qui m'est arrivé l'autre jour, justement. Le garde avait pop au milieu de 3 ou 4 pirates, je sais plus, dans l'ascenseur. Et j'ai tiré dessus et je l'ai buté. Surtout que si un garde est au niveau de l'ascenseur, c'est censé empêcher le spawn, normalement. Ah ouais, en plus, ouais, bah alors là... parce qu'en fait, en fait, tu sais comment ça se déroule. Tu as la vague qui arrive. 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3, voilà. Ensuite, tu as les hostiles qui popent. Et à la fin, les ascenseurs s'ouvrent. D'ailleurs, ils popent des fois et puis les ascenseurs s'ouvrent jamais. Parce que c'est bugué. Ouais. Ça bug à ce moment-là. Alors attends, ici, ils sont pas là. Moi, y a rien qui se passe. Ils sont peut-être côté serveur. Là. Ah oui, il y a du monde là, tiens. Mais justement, si, parce que les PNJ pop avant, si les PNJ ont popé dans leur ascenseur et qu'ils restent dans leur ascenseur, les pirates ne respawneront pas dans cet ascenseur vu qu'il y a déjà un perso qui a spawn et qui a pas bougé dedans. Ouais, mais je pense que là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un garde et des pirates qui ont pop en même temps dans l'ascenseur. Bon, clairement, c'est un bug, ça devrait pas se passer comme ça, hein, oui. Effectivement. Hein. C'est un garde, ça? C'est un... Je sais pas qu'est-ce que c'est, putain. Ouais. On espère que ça ira mieux en 4.0 avec la Power Machine. C'est bon, c'est fini. Ouais, c'est bon ça. On va pas retourner à la suivante. Il y avait des boîtes rouges ou pas? Bon allez, je vais même pas loot, moi, pas batailler. Pas grave. Si, je vais ramasser des medpens. Parce que ça, j'en ai pas beaucoup. Ah, puis je vais prendre des munitions puisque je suis avec une C54G. Je vais continuer à la C54G ce soir, tiens. Ça me fera l'utiliser un petit peu. C'est une bonne SMG. Ouais, mais je suis tellement beaucoup plus habitué à la P4 en fait pour le coup. Moi je suis plus habitué à la LS9, je sais plus comment elle appelle. La FS9. Ouais, la FS9. Je l'aime bien celle-là, sauf que depuis la 3.19 en fait j'en ai rarement loot pour le coup. Ou alors ouais, quand je les loot, je les dépose dans les inventaires des stations et je les laisse, je les reprends pas après. Sinon, faut les mettre dans le cut class. Ouais, alors dans mon cut class, j'ai un. Surtout qu'en plus. Ouais, il y a les racks là, je les ai équipés. Et j'ai fait l'astuce de façon à ce que si je reclame le vaisseau, les armes sont dessus, en fait. Ce qui fait qu'en cas d'urgence, on peut en prendre. Bon, ceci étant, tu vois, je les prends jamais puisque je descends toujours en pyjama. En fait, toujours. Il a été safe, normalement, avec le restock, ça rachète les armes. Ouais. Bon, j'ai pris de la munition de P4 aussi. Parce que ça, on s'en sert toujours. Pour le coup.
et le reste je m'en fous. Du coup on va pouvoir aller sur la tienne. Ah oui, c'est vrai. Allez, très, je prends paramède. Ah mais ouais, mais comme j'ai une light, c'est l'un ou l'autre. Alors je garderai le tractor beam, enfin le multitool. Pourtant j'ai pas de tractor beam dessus, mais en fait c'est pas grave, tant pis. Ah mais attends, je vais prendre cette... Oh, je vais pas pouvoir la prendre là, ça va me faire chier ça. Il y a trop d'armes à côté, si. Équipe. Il y a un sniper, un desert rifle. Ah mais attends, mais c'est pas un sniper ça pour le coup, si. Si, un arrowhead, oui c'est ça, arrowhead. Désert machin, c'est la... Le camouflage qu'il y a dessus. Ah bon? Qui c'est qui a tiré? C'est toi, Jack, qui tire? Ouais. Ouais, mais alors tire pas quand je passe. Est-ce que tu veux me... Tu veux m'asmat encore, hein. Je te repartage la mission que j'ai à 75k, là? Bah, il l'avait eu, je crois, celle-là. Non. Ça m'a juste affiché contract, mais après, j'ai rien. De toute façon, même dans mes missions, là, j'ai rien. Ouais, donc, tiens, char. Tu l'as, toi, déjà, Jack? Ah, accepte. Ouais. Contrat, c'est bon. Red. Ouais, c'est bon, ça accepte. Qui a éteint la lumière? Il fait tout nuit. Il va faire tout noir. Elle est sur... Hiram, non? Ah ouais. Bourrin, t'arrêtes de me pousser, oui? C'est toi qui me pousse là, tu m'envoies la gueule dans ton vaisseau, tu me fais du dégât et après il va me dire bourrin. Hé, je suis arrivé en premier, hein. Triste cire. Ah ouais, qu'est-ce que... Tu nous suis avec ton haro ou tu fais quoi alors finalement? Oh ouais, de toute façon là je suis plus haut que vous, comme je me dirige vers là-bas et on va y arriver en même temps je pense. Non, tu vas arriver avant nous, si t'es déjà en l'air, on n'a pas décollé nous encore. Alors, Moi j'étais déjà à 5000 d'altitude pour pas me faire spot par la tourelle. Ah oui. Et même pour pas avoir l'affichement du trépassing, même si je suis pas spot. Je crois que le serveur il est pas 100% frais quand même, hein. Ouais. Non. Non, clairement pas. Ah mais attends, mais je l'ai pas track moi, ma propre mission, je la track pas, c'est bien. Ah bah bravo. Ah oui, mais c'est vrai, parce qu'en fait, elle se track pas automatiquement. C'est le call to arm qui se track en premier à chaque fois. Ouais, ouais, mais ça aussi, c'est pas bien fait, mais bon. Bref. Y'a que si tu finis et que tu reprends une mission, qu'elle va se track en priorité, si... On va pas en demander trop. Donc le serveur tient, ça nous va. T'es déjà sur place là-bas, toi, non? Je vais y arriver bientôt. Ou c'est pas ton point que je vois là? Ah, c'est peut-être pas ton point, non, parce que le point est à 1948 km. Hein. Ah non, mais c'est le point du cutlass qu'on a laissé au sol que je vois. Je suis bête. Voilà, je suis dans 20 km. Donc demain soir et... Attends, quelle heure il est? Ouais, il est que 23h. Demain soir et après demain soir, si je joue à SC, je serai pas en live, bien sûr. Oui, c'est... Et je viendrai pas en vocal. Et je viendrai pas en vocal sur le Discord. Et donc, je pense que je jouerai plutôt dans mon coin. Parce que j'aurai du monde qui dormira juste à côté, ici. Donc, tant que j'y pense, je vous préviens. T'es là-bas, toi? Ah oui, je vois ton point, ouais. Et Ah, mais il y a un cutlass, d'ailleurs. Ouais. Je viens de... Ah non, on était avant. Ben non, justement, non, c'est pas le même point, non? On part à Tom... Non, c'est Tompkins, c'est ça? Ouais, il y a un cutlass. Ouais. C'est le mien, peut-être. Regarde, il n'y a pas un STV dedans. Après, il y a un C8 et il y a un...
gamma aussi. Un Mustang. En gamma le Mustang? Oui. Alpha, gamma, bêta et. Ouais, ouais, mais c'est pas courant le Mustang gamma, si. Et c'est pas sur du starter d'ailleurs, le gamma? Non, c'est pas le bêta? Je sais plus c'est lequel. Ah, putain, il y a, y a tellement de variables. Bah, ouais, ouais. Le starter, c'est le alpha. Ah, c'était même pas... Oui, le alpha d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai dit, le bêta, moi, n'importe quoi. Je vais aller voir le cutlass. Qu'est-ce... Oh, lui, je l'ai pas niqué. Ah oui, c'est clair bizarre quand même. Attends, ouais, je vais peut-être pas me poser sur toi là. Ah, c'est bon. On va me poser de ce côté. Bah, la trappe ne s'ouvre même pas. Ouais, parce qu'il est verrouillé. Ouais. Et si les portes sont fermées, si le mec c'est un habitué qui prend l'habitude de se. Bah, je pense qu'il est venu faire une mission et qu'il est mort. Lui. De verrouiller son vaisseau, tu peux pas rentrer dedans. Et n'essaie pas de tirer dessus. Ah, quoi que ça, si c'est un vaisseau abandonné, si tu tires dessus, peut-être que les tourelles ne te. Je préfère pas essayer pour l'instant. Ouais, parce que maintenant, je sais pas si tu le sais, mais même avec une simple P4, si tu tires sur une des tourelles, elle tire sur ton vaisseau. Hein. Après, en utilisant la tourelle de la station, comment on peut la prendre en main, je sais pas. Pareil. Pareil. Pareil, parce que la dernière fois, j'ai testé aussi. Et mais de suite, les tourelles se sont défendues, elles ont pété mon vaisseau. Et ça, c'est récent parce que c'est. Alors, à moins que ça ait été implémenté en 3.18. Mais si c'était pas en 3.18, ils l'ont implémenté en 3.19. Donc, c'est super récent. Pour le coup. T'étais sorti, Jack? Ouais. Bah, on t'attend, nous. Hein. Comment ça, vous m'attendez? On est sur l'ascenseur, là. Ouais. Moi, je vous vois pas sur l'ascenseur, là. Je vous vois dans le sas, là, en train de faire les pitres. Non, on est sur l'ascenseur. Putain. Pire que des gamins, hein, les mecs. Hein. C'est toi qui lag. Ouais, c'est ça, ouais. Moi aussi, je peux te faire du morse, hein. Avec ma lampe, hein. Et c'est ça, hein. Vous avez pas eu peur? Non, ça va. Et go! Go, 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 go! Je vois des morts. Ouais, je vois des morts partout. Alors voyons, qui c'est qui est mort? Bah, le propriétaire du Cutlass, Philbo. Ah tiens, il a des batteries de pistoles. Y a pas des coffres. Et l'autre qui est tout nu. Bilbo aussi. Ah bah, deux fois mouru au même endroit, le gars. C'est pas mal. Ah oui, attends, y en a un troisième ici. Il s'appelle Bilbo aussi? Loot. Il s'appelle. Non, Quetos. Ah, c'est pas le même. Ah, mais il y en a deux ici en plus. Ouais. Moi aussi j'en ai deux. Pardon. Ouais, pareil. Bah, il y en a un autre là aussi caché. Slokne. Et. Il y a Silk66, tiens. Et Buffmae. Ils ont des noms bizarres. Ouais. Je te le fais pas dire. Tiens, est-ce que j'ai toujours mon couteau sur moi? Ouais, j'ai toujours mon couteau sur moi. Celle-là, je peux pas loot, elle est rouge. Ça commence, cette guerre. Ouais. Oh. En bas, ça a pas ouvert les ascenseurs. Après, y a pas moi, je suis sale serveur, l'ascenseur de. Sale serveur. Pas devant moi. Ah, ouais, celui-là. Il faut éviter de passer dans mes tirs. Il en reste un. Vous vous en sortez, les gars?
Bah les deux derniers doigts, les deux derniers sont en haut. Là, il y en a un en bas. C'est bon, j'en ai saigné un. Ah ouais. Ah c'est pas mal, je me suis retrouvé glitché. Après l'avoir saigné le gars, je me suis retrouvé glitché dans l'ascenseur qui était fermé. C'est pas mal ça. Ça j'ai jamais eu ça. Tu l'as saigné comment, encore à corps ou... Non, au couteau. Parce que j'ai un couteau sur moi. Au corps à corps. Oui, mais quand tu fais corps à corps, que t'as pas de couteau sur toi, tu y vas avec avec l'arme, ou tu l'assommes si t'as rien dans les mains. Et là, tu le finis pas en fait, tu ne fais que l'assommer. Il faut y aller un deuxième coup, tu sais, avec le talon là, tac. Ouais. Et tandis qu'avec le couteau, tu le saignes direct, quoi. C'est ça qui est. J'avais pas fait gaffe que ça fonctionnait comme ça les couteaux parce que je m'en servais jamais. Et j'ai découvert ça, quoi, il y a quelques semaines, même pas, un peu moins, un peu plus. Et je trouve que c'est pratique, les couteaux. Ah, mais c'est pas encore démarré, la vague. Ça va démarrer, là. Si ça veut bien, ouais. Allez, il reste plus que les portes des ascenseurs à s'ouvrir, maintenant. Ça a l'air très calme. Ouais. Ça s'est ouvert là? Ah ouais, ça s'est ouvert là. Je pense que c'est comme tout à l'heure, quasi tout est en bas. J'en avais un ici, moi. Moi j'ai tué ceux qui étaient en bas. Comment il en reste? Il en reste que deux. Attends, il y en a un là qui est sorti de l'ascenseur là peut-être? Non, ils même pas, ici il n'y a rien. Il n'y a pas salle des serveurs. Ils sont pas salle de serveur? Ah, ils sont en face de l'autre côté là-bas alors, à l'étage. Ah mais non, je suis bête, y a pas d'ascenseur de ce côté, je suis couillon moi. Si, il y en a un là, mais il y a personne. Ouais, non, mais il y en avait qu'un là, je l'ai buté. Et au fond, il y a personne. T'es allé en salle serveur, il y a rien? Ouais, il y a rien. Ils sont en bas alors. Tu vois rien, Jack, en bas? Bah non, je vois rien. Je vais regarder en dessous. Ah putain, ils sont coincés. Si. J'en vois un là. Ah. Hop. Ah, je vais tirer dans le cul le mec qui se tient le cul. Ah. Merci. Merci. Oh putain, on va se faire déclinguer le cutlass. Vous avez parce que... Ouais, non, il m'a... ouais, parce que je suis habillé en garde alors que d'habitude... Je suis habillé en pirate. Je suis habillé en pirate et il m'a décalqué, Jack. Croche pour un chectoseur déjà. Mais là, en fait, on est en train de se faire poutrer le... C'est bon, t'es guéri à fond là? Non. Ah, mais j'ai une T3. Putain, j'ai une T3 au torse et une T3 à la tête. Tu m'as décalqué. Surtout que la vague va arriver. Mais alors. Ouais, je vous ai dit, je sais pas combien de fois, venez pas sans prévenir. Alors attends, comité de Grievous Bodily. Alors, prêt, right backlet to decline. Ouais, voilà, je décline. Voilà. Alors j'ai... Ça va commencer là. Ouais, mais c'est déjà commencé. J'espère que... Oh le massacre. J'espère que la tourelle est pas en train de défoncer notre cutlass là-haut. On l'entendrait. Bah, ils m'ont pas tiré dessus les gardes, donc c'est que c'est bon, je pense. Ouais, mais c'est bizarre parce que la dernière fois, ils t'avaient tiré dessus automatiquement, non? Ou c'est moi d'ailleurs qu'ils avaient tiré dessus, je crois. Ah mais non, mais j'avais buté un garde, moi je suis con. Oui, bon, là, c'est du friendly fire. Ouais. Bon, je suis sale serveur. Ouais. Voilà. Je sais pas si t'as du monde, sale serveur. Merde, je voulais pas cliquer sur close. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Ouais, non, je venais de finir de déglinguer un mec. J'ai tenté pour voir en mode visé s'il n'y avait pas un autre caché. Et là, il y a un garde qui arrive qui marche devant moi tranquillement. Ah ouais. Il en reste deux étages. Et en bas surtout. Je me cherche un paramède. Non, il n'en manque plus qu'un et il est en haut. Ouais, je vais le chercher.
Leur... Oh le bourrin, il m'a décalqué. J'ai tué un méchant, je me retourne, je vois un autre. Ah putain, j'ai encore le bug, putain, ça m'énerve ça. Tu l'as buté, Lex? Oui. Ouais, parce que je suis coincé. J'étais coincé contre lui, d'ailleurs, je suis toujours coincé d'ailleurs. Bah, je vois pas du tout au même endroit. Oh putain, c'est chiant ça quand ça fait ça. Ah ouais, ben voilà, j'ai fait l'animation comme quoi je l'avais buté. Attends, faut que je lance ma Moby Glass? Non. Ah, je suis tout bugué encore. T'as pas un Gravity Gun, Chuck? Oui. Putain. Attends. Pour voir si tu peux le choper. Hein. Qui? Moi? Ouais. Mais pourquoi, je suis incapacité de là encore ou quoi? Ben moi je te vois en animation contre un poteau au niveau de la salle. Ouais ouais mais moi aussi je me vois avec les mains portant une arme mais j'ai pas d'arme dans les mains. Et puis j'appuie sur F1, ah, F2, bon. F3, F4. T'es au niveau des caisses maintenant. Non non je suis toujours en fait de mon côté en tout cas je suis toujours Ah ouais mais putain mais je peux même pas. Là voilà j'ai Jack juste à côté de moi là. Ben moi je vois Jack toujours en bas. Et moi je te vois debout, alors je peux pas te tracter. Attends, parce que je peux même pas lancer le... Je vais être obligé de déco. Attends, si je peux, je peux lancer, voyons. Site. Là, voilà. Ça va me débugger, ça je sens, je pense. Ça. Ouais, voilà. Ça m'a débugué. Ouais. Je vois Jack complètement figé, moi. Bah, c'est normal, je bouge pas. C'est bon, Jack. C'est bon, hein, je me suis débug avec la commande de slash site dans le chat. Merde, là, c'est pas F11 que je voulais faire pour le coup. Oh putain. Ah, tu viens de te déplacer. Le massacre. Ah, mais non. Attends, ouais, moi je vous vois les deux ici, là, l'un à côté de l'autre. Tu, là, normalement, tu dois me voir derrière toi. C'est n'importe quoi. Non, je suis d'actualiser les trucs. Il y avait une boîte avec un paramètre, non, ici dedans, ou c'était dans le bunker de tout à l'heure. Je me rappelle plus sur le coup. Là, je suis au niveau des marches, près du poteau. Et desquelles? Parce que des marches, il y en a partout, hein. Là, à côté de l'ex. Ben, moi, je te vois là où je vise, en bas. Bon, je suis revenu à la... À la plateforme. Il va falloir que je remonte à quel taux, moi, pour me soigner, parce que j'ai du sang plein les yeux. En même temps, c'est normal que tu m'aies tiré dessus, Jack. T'es pas habitué à me voir habillé en pirate, puisque j'ai plutôt une combi de garde de Hearthstone, la Ivy d'ailleurs. Ah ouais, là, je me suis retourné, j'ai vu un mec habillé comme ça, blablabla. Et par contre, juste avant que tu me tires dessus, j'ai flingué un pirate qui était entre nous deux, je sais pas si tu l'as vu. Et le mec, il se tenait le cul parce que je lui ai tiré sur le cul, en fait. On est à l'ascenseur, Lex. Moi, je vois l'ascenseur de travers. Belle des 5. Ouais, putain, mais moi je te vois à 18 mètres de l'ascenseur là derrière le premier poteau. Ah, c'est bon, je vous vois apparaître. Ah, je te vois arriver là avec une boîte dans les mains. C'est un cadeau ouais, pour ça. Moi, merci, c'est gentil. Hop, je sais même pas ce que c'est quand même. Ça m'a pas mis une de mes armes en boîte quand même. Tu la drop, hein, apparemment. Hein. Ouais, ouais. Mais ah non, mais c'est des bras, ça m'a pris des bras. Ah oui, parce que en voulant loot un mec, peut-être. C'est ouais, bon, vous êtes tous là ça... Ouais, moi je vous vois Jack dans un angle et toi au niveau de la console. Bon. Ouais, tant que c'est bon, on est re-synchro. Par contre, je vois l'ascenseur décalqué de travers, mais il monte. Ah ouais? La plateforme en oblique? Ouais. Putain. C'est bizarre que t'aies ça. On peut se barrer et essayer d'aller sur un autre serveur. Hein. Vu qu'il merde à moitié, lui. Ouais, mais on va pas se déco ici. Je vois partir. Attends, pour le coup, le Cutlass, c'est, ouais, c'est celui-là. C'est celui-là, le ouais. Je me rappelais plus, tu sais. Ah, mais oui, mais c'est vrai, t'as ton Aurora. Pas le Aurora, le Arrow, pardon. Tiens, Arrow, Aurora, c'est pas pareil. Après, tu veux faire l'expérience avant de décoller, Lex? Ah ouais.
de tirer. Ah, mais t'as déjà décollé? T'es déjà parti? Ouais, mais je... non, je suis là. Bon, c'est l'expérience que je veux te faire faire là. Ça sacrifiera ton arrow. Hein. C'est quoi l'expérience? Ah non, mais tire pas sur le cutlass. Ah. Ouais, après, je sais pas. Mais de poser ton arrow devant les tourelles là. Et prendre une P4 et tirer sur une tourelle. Ah. La tourelle va répondre et va détruire ton arrow. Mais c'est pas grave parce que tu pourras repartir avec nous dans le cutlass. Ouais, ah ouais, tu te poses carrément sans... les trains d'atterrissage, c'est en option chez toi. C'est comme chez moi au début. Je les sortais jamais quand... Il n'y a pas besoin. Non, mais bon, c'est en option, comme je dis. C'est comme les clignotants, il n'y en a pas besoin. Hein. Oui, il y a beaucoup de gens qui passent leur permis, mais qui n'apprennent pas à mettre le clignotant. C'est clair. J'ai zappé sur le coup. Alors j'espère, vu qu'on est dans le même groupe, qu'une fois que les tourelles auront détruit ton vaisseau... Ah non, putain! En fait, quand tu vas rentrer dans le cutlass... Eh oui, c'est moi qui... Alors attends, c'est ce qu'on va faire, hein? C'est ce qu'on va faire, hein? Décoller... Non, je vais sortir le... Pour le coup, elle va servir la... Le STV là, voilà, le STV servira. Ah, mais attends, je l'avais coupé, c'est et vrai. Tu veux que je tire sur les petites tourelles là qui sont à côté? Ouais, mais attends, n'importe, c'est les mêmes. Mais attends, hein, qu'on soit éloigné parce que. Oui. Là, voilà. Tu décolles Jack avec le cutlass et tu le mets à 1700 mètres de. Ah. Des. Moi j'étais dans la tourelle, moi. Ouais, bon, moi je vais rester là. Ouais, il faudra que je m'éloigne un peu de ton arrow parce que quand il va péter, ça risque de péter le STV par contre. Ouais, il te faut décoller Jack, mettre le cutlass à 1700 mètres de la tourelle pour pas que ça... Ouais, fais gaffe, t'es en... Ouais, mais moi je sais pas le retirer, ta merde là. Touche K. K pour quelqu'un. Ouais, non, justement. Pour le VTOL, c'est... Ouais, pour enlever le VTOL, c'est la touche K. Voilà. Ah, voilà. C'est mieux comme ça, hein. Là, je vais plus vite, là. Ouais. Du coup, à la P4, je suis dans une petite ou la grosse tourelle avec les attritions en haut? Ah non, mais la petite tourelle, quoi, du sol, là, qui est devant nous, là? Ouais, celle-là. Ah non, mais celle-là, si tu tires dessus, ça fait rien. Elle est à nous, celle-là. Enfin, elle est à nous. Attends, je vais m'éloigner un peu de ton arrow. Celle voilà. Qui est sur la base avec les attritions, la tourelle. Mais tu peux tirer sur celle-là ou sur n'importe quelle autre qui est au sol, en fait. Okay. C'est les mêmes. Et dès que tu vas tirer dessus, normalement, avec la P4... Hein. Ah non, tiens, elles réagissent pas, là. Si, voilà. T'as vu? Ouais, un peu. Et toutes les tourelles tirent sur ton vaisseau, hein. Donc ton vaisseau va péter. Ouais, t'as vu, il a pété vite, en plus. Hein. Je vais courir. Voilà. Et maintenant, il faut... Wow. Ah oui, puis en plus, ça y est, elles se sont calmées, là. Ouais. Alors, j'espère que... Bien. Comment ça se fait qu'elles tirent en l'air, comme ça? Ouais, non, mais... C'est n'importe quoi là, elle continue à tirer alors que le vaisseau il est en hard death. Regarde ça, oh les explosions, le feu d'artifice. Pouf. Ah ? J'ai pas de cribstat. Normalement non. Non, c'est bon. À ce niveau là, t'as pas de cribstat. Et les tourelles, tu vois, elles tirent pas sur les véhicules terrestres. Ouais. Par contre, attention, ne pas venir se pointer avec une Dragonfly. Parce que là, elles vont le tirer. Parce que Dragonfly, c'est pas véhicule terrestre. Hein. Ah ouais, bon, par contre, sur Hearthstone, c'est le bordel pour rouler ici avec des cailloux. C'est la moto sur roue aussi que j'attends. Ouais, la. Comment elle s'appelle? Mais ah. t'es parti à combien, Jack? T'es parti à, t'es parti à 25 km, Jack? J'ai été dès que je me suis arrêté dès que j'avais plus le compteur GGR. Le compteur GGR? Mais ouais, mais t'as pas besoin d'aller à 6 km, je te l'ai déjà dit, 1700 mètres, c'est. On va se taper 7... En voiture, t'es pas... Ouais, sauf qu'on va se taper 7 km dans les cailloux, là, on en a pour une demi-heure. Non, c'est surtout qu'on doit live avant les 5300. Bon, normalement, c'est bon, mais bon. Avec le terrain. Ouais, mais le terrain, ça va être le bordel. À chaque fois, il a peur de se faire poutrer par les tourelles et il s'échappe à 25 km de triste, ouais, là. Reviens un peu vers nous, là. On n'est pas à se taper 500 km parce qu'en plus je suis obligé de passer de la vue F4 à la vue non F4 là. Parce qu'à chaque fois, ouais, à chaque fois je perds l'azimut, je suis obligé de me remettre en vue interne parce que là c'est je sais bien. Plus où elle je dois aller. Tout seul au moins. Ouais, ça pour tous les vaisseaux ils ont fait ça, enfin pour tous les véhicules terrestres ils ont fait ça, le Ursa c'est pareil.
C'est normal que je vois l'arrière des pour les caisses des livres ouverts. Hop. Ça c'est problème de rendu, je pense. Je sais pas du tout si je vais dans la bonne direction. Un peu plus à gauche. Ouais. Voilà, tout droit. C'est ça. Ouais, là je le vois. Enfin, si c'est... non, c'est un caillou que je vois. Ah non, c'est pas le vaisseau que je vois, c'est un caillou. Merde, je me trompais de touche en plus. Il est derrière le caillou en fait, je pense. Ouais. Ah non, mais il y a encore 5 km. Ouais, ouais, et le mec, je te dis, il se fout à Pétaouche le Kléber. J'ai cru 500 mètres. Et à trifouiller les oies. Ah, je vais au plus loin, moi. Ouais, ouais, le mec. J'ai un trépassing. Mais ouais, mais tu le trépassing, tu risques rien. C'est 1700 mètres, je t'ai dit. Là, c'est, je suis resté dans l'axe. Ok. Oh, le bon. Heureusement, ça explose pas ce truc là. Enfin, pas tout le temps. Mais plus tard, ça explosera, c'est ça le problème. Ouais, bon. Nous, on a fait exploser un Ursa hein, avec Jack. Hein. Juste pour un pneu crevé. Hein. Ah oui. Faudrait qu'il retravaille la conduite un jour. Alors, je sais plus si c'est en 3.20 ou plus tard. C'est prévu, tous les véhicules terrestres seront remaniés. Ouais, bah oui, je sais qu'aussi il va y avoir le nouveau système de réputation. Et d'ailleurs, ils seront pas aussi, comment dire, efficaces. C'est-à-dire que pour l'instant, tu peux grimper au mur avec les vaisseaux. Tu montes sur des montagnes, vu le pourcentage d'inclinaison, ça devrait pas être possible. Même si les véhicules sont plus performants que ce qu'on peut avoir dans notre siècle. Merde, il y avait un caillou, je l'ai pas vu là. Et surtout que... La 320 va durer longtemps. Ouais. Mais. Si elle sort en septembre, on l'a bien jusqu'à début 2024 en attendant la 4.0. Ah, facile. Et bien joli qu'on l'ait la 4.0. Bien joli qu'on n'ait pas une 322, une 325, une 330 même avant la 4.0. Non, ce sera une 320.x, 0.1, 0.2, 0.3. Une... Ah oui, ils vont rester sur le 320. Donc il y aura une 320.152 alors. 320.1, 320.2, 320. Ouais, ouais, 3, 4, 5, 6, 12, 24, 32, 56. Comme la 319.1 qu'on a là, qui a suivi la 319. Ah oui, la trappe à l'arrière, elle est ouverte. Je la vois ouverte, effectivement. Oui, c'est de la trappe arrière que tu parlais? Ouais. Elle s'est peut-être ouverte dans les loopings qu'on a fait. Hein. C'est bon, elle s'est fermée. Ah bah elle s'est fermée quand j'ai... Non, non, moi je la vois ouverte encore. Non, je suis allé appuyer sur le bouton. Ah oui, mais en fait, elle, tu la vois... Il n'y a que toi qui la vois fermée. C'est celui qui les actionne qui les voit ouverte ou fermée. Ça aussi, on s'en est rendu compte l'autre soir. Ouais. C'est n'importe quoi. Ah mais t'étais là, oui, d'ailleurs, en plus. Oui. Bon. Ah ouais, mais tu veux piloter, Lex, ou tu t'en fous? Oh, bon, comme vous voulez. Ouais, parce que moi, j'ai pas... J'ai du sang plein la tête, hein. De toute façon, là, faut peut-être aller à Everus pour aller voir le médic. Ouais, mais je vais y aller, oui. Allez, je pilote. C'est mon cutlass. Je vous le prête pas parce que vous allez le rayer. Oh. Moi, je raye pas, moi. Ouais, ouais. Si, regarde, il y a déjà plein de rayures. Non, c'est pas moi, c'est toi. C'est toi qui a des impacts de balles dessus. Ouais. Alors là, c'est pas de ma faute. Hein. Je me suis mis à 12 milliards de kilomètres. Etc. Ouais, ça c'est vrai, tu t'es mis à 12 milliards de kilomètres. Oh putain. Aïe, ah merde, je me fais mal. Tiens, je vais programmer le voyage. Il va pas vouloir me le programmer parce qu'on est de l'autre côté de la planète. Ça aussi, c'est mal foutu. Des fois, moi, il me fait passer par les OM. Des fois, il me les prend pas avec la tête, du coup. Ouais, et merci pour l'explosion, Jack. Mais je l'ai vu sur le chat avant d'entendre le son. Mais ouais, non, mais
Et le problème, c'est que les OM, il faut se mettre à 40 km d'altitude pour les voir. Là, je suis qu'à 13 km, tu vois, je les vois pas encore. Alors, ce que je fais, ben, je bataille pas. Maintenant, je me casse plus la tête. Hein. Allez, premier point. Quelle que soit la destination. Je quantum. J'annule le quantum en suivant. Je repars dans la star map, effacer le voyage. Parce qu'il faut l'effacer, sinon ça marche pas. Voilà. Et après, eh bien, station ou... Ouais, là, je peux pas l'avoir, la station, donc il faut que je vise un OM. Ouais, j'ai OM1, c'est parfait. Et après, station. Ouais. T'es basé à Microtech, toi, plutôt? Enfin, à Port Chrysler? Un peu tout, soit les Cruels 1 ou HURL 1, sinon Port Hussard, en attendant qu'ils disparaissent. Comme ils disparaissent bientôt. Ah oui. Ouais, mais ouais, ça, c'est... Bah, c'est en 3-20. Ouais. Ça est remplacé par la station Séraphin. Remarque, ça va... J'ai des pieds au-dessus de ma tête. T'as des pieds au-dessus de ta tête, hein? Tant que t'as pas l'odeur, c'est pas grave. Ça va changer. Avec la nouvelle station, vu que ce sera GPV russe, on aura plus de choses déjà. Plus de magasins. Peut-être un nouveau vendeur de vaisseaux. En tout cas, c'est réaliste. Quoi donc? Ah, les pieds au-dessus de ta tête? Ouais. Bah ouais, c'est normal. Ouais, parce que je vois le dessous, tu sais, les marques des chaussures qu'il y a en dessous. Comme je te dis, il manque que l'odeur. Non, je voudrais pas avoir l'odeur. Attends, je cherche un pad, mais il fait vachement nuit, là, j'y vois que dalle. Parce que le LED, il pue des pieds. Ah mais ouais, mais c'est normal que j'y vois que dalle aussi. J'ai une T3 à la tête. Et j'y vois vraiment rien, hein. Un temps, il y avait un vendeur de vaisseau à Grimax. Oula, tu t'es pris quelque chose. Je me suis pris quelque chose. Ouais, je vois le vaisseau tourner dans tous les sens. Tourner dans tous les sens. Ah ouais, je suis tombé dans les pommes là, du coup. Bah moi, je vois Alex en mode assis là. Et qui... Mais je suis à l'arrêt, je bouge plus. Bah je sais pas ce qui. Oh, c'est encore. Tu sais quoi? Mais c'est encore des problèmes de synchro entre nous, en fait. Non, pas forcément. T'as pas ralenti ou accéléré. Oui, c'est vrai, mais toi, t'as pas bougé, toi. Bah si, je me suis levé, et puis là, je viens de tomber. Ouais, parce que je viens de redémarrer, là. Comme j'étais dans le siège du haut, moi, j'ai dû tomber. Et du coup, là, j'ai l'écran noir. Et puis, juste avant, j'ai... Merde. Du lit. Ouais, j'ai bougé, j'ai accéléré, hein. Mais le problème, c'est que... Qui a fait bugger, Lex. J'ai tellement de sang dans le cerveau là que j'arrive pas à trouver la branche. Comme il fait nuit, j'arrive pas à trouver la branche où il y a les pads. Bon, je me réveille, ouais, ça m'avait évanoui. Ouais, après c'est vrai que j'avais pas abaissé mon vecteur de vitesse. Non, mais c'est vous qui êtes fragile, hein, c'est tout, hein, parce que moi je le pilote pas comme Zuzok, hein. Non, mais il a dit qu'il venait de tomber dans les pommes, alors je l'ai traité. Ah, c'est pour la tomber dans les pommes, pardon. mais moi, j'y vois rien. Vous voyez ma vue? Attends, je me... J'y vois que dalle, c'est tout flou. j'arrive même plus à descendre du siège. Ah, t'es bloqué. Ah ouais, mais j'ai le sang qui est parti, là. J'y vois mieux de nouveau. Et d'ailleurs... Ah oui, j'avais pas allumé la lumière. Aïe. Quoi, aïe? Encore fait tomber. Mais non, c'est pas vrai. Mais je l'ai même pas vu tomber, pour moi il est toujours dans son siège. Attends, je rêve ou... Ah mais oui, mais c'est le pad de tout... Hop, punaise. J'ai eu de la saccade là. Attends, c'est le même truc que tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Ouais. Je vais me poser là, c'est juste pour aller me soigner. Moi je te vois très loin de la station. Ah bon? D5. Ouais. Au pire, tu sais ce que tu fais, tu vas te soigner. Salut, Jack, ça farte? Ouais, ça farte. On et va sur un autre serveur. Et ah oui, voilà. Ah non, t'es assis dans le truc. T'as pas peur, toi, de t'asseoir dans le... Quoique normalement, ils ont corrigé ça. De t'asseoir sur la banquette d'en haut. Parce que je suis bloqué.
Ouais, mais c'est ça parce que ta tête est glitchée dans le. Ouais, je pense. Alors, essaie de faire. À slash it. Ouais, slash sit ou slash sleep. Sleep. Pas slip culotte, hein. Bon, t'avais compris, je suppose, mais. Ouais. Ok, donc on va faire slash sleep. Parce que slash sleep. Alors, je sais pas si ça va te le faire te coucher, t'allonger sur la banquette ou pas. J'ai Non. pas l'impression. Pas. Non, mais tu sais quoi? Bataille pas. Ah oui, mais pour ça, il faut que je redécolle. Parce que j'allais dire. C'est bon, là je te vois poser. Va soigner l'heure, ensuite tu vas dans l'EHPAD, tu ranges ton vaisseau, ça va le débloquer. C'est Oui, bon. mais justement, c'est pour ça qu'avant d'aller me soigner, j'avais prévu de redécoller et de réatterrir dans un hangar pour le ranger. Ça marche là pour le ranger normalement. Non. Ah bon? Non, non. Non, non, t'es trop habitué à Port-au-Lissard, toi. Hein. Ici, sur les pads, on n'atterrit plus et on décolle plus. En fait, tu peux atterrir, mais tu atterris pour faire le plein et puis repartir. Voilà. C'est tout. Et là, le vaisseau posé, il n'est pas détecté par la station. Si je vais dans la console, je pourrais pas le ranger, en fait. Et à Port-au-Lissard, de toute façon, c'est que des pods Ben ouverts. oui, à Port-au-Lissard, c'est que des pads ouverts. C'est pour ça Au que. pire, tu veux que j'essaye de voir si je peux le garer dans un hangar? Je sais pas si tu y arriveras. Bon, allez, je vais me faire soigner, puis on verra bien. Parce que je peux aller dans ma mobile glace tout tranquillement. Mais t'es toujours coincé, en fait? Eh ouais. Ah, merde. C'est Ouais, con, ben ça. on va faire ça. On va aller. Quand tu reviendras, en fait, on va aller dans un hangar. Tu vas claim ton vaisseau. Ouais, je pense que ça va me Ou faire non, pas sortir. claim, le ranger. Ouais, je vais le ranger, ça te téléportera automatiquement. Hein. Ouais. Ouais, parce que le slash Et it. puis on pourra changer de serveur au cas où. Pour voir si c'est pas un problème de serveur. Non, je pense pas. C'est les serveurs qui ont du mal à nous synchroniser entre. Parce que je pense qu'il y a un bug à ce niveau-là. Rappelez-vous, il y avait des bugs de synchronisation entre les vaisseaux. Les gens qui voulaient faire du Razmot, ils étaient tout le temps en train de se cogner les uns les autres. Ils ont corrigé ça, mais ils n'ont pas appliqué la synchro. T'es merde. Je vais dans la console. L'habitude d'aller dans la console alors que je peux rien faire dans la console. Et en fait, il faut qu'ils appliquent la même chose, le même principe aux joueurs, hein, en fait. Hein. Entre joueurs. Hein. C'est dit, ils prennent leur temps. Ouais, bon, mais. Comme il est dit souvent, hein, en plus de construire le jeu, il a fallu qu'ils construisent la société pour construire le jeu. Donc, c'est normal que ça prenne du temps à ce niveau-là. Parce qu'après, j'ai regardé par rapport au nombre de vaisseaux annoncés, il en manque pas tellement, mais non, c'est vraiment les gros vaisseaux qui viennent manquer. Ah ouais? Moi, je connais pas le nombre exact de vaisseaux qu'il y a et je sais pas le nombre de vaisseaux qui sont déjà implémentés dans le jeu, donc. Parce que j'ai vu quelqu'un qui a fait une tier list et donc tous ceux qui n'étaient pas sortis, ils les mettaient. Je crois qu'il y en a une trentaine qui sont pas sortis. On est déjà à bien 50, 60 vaisseaux de dispo. Entre les différentes variantes et tout. Ouais, c'est vrai que ça chiffre. Hein. Et sachant que tout ce qui est Idris, Javelin, tout ça, c'est modélisé, mais ils les gardent pour la campagne et ça arrivera après la campagne. Oui, de toute façon. C'est vrai qu'il faut que je me soigne, moi. Ça se fait pas tout seul. Oui, va te faire soigner. Ouais, va te faire soigner, ouais. J'aime bien quand il fait. Ça y est? Ah mince, j'aurais dû boire avant. J'ai pas pensé. Putain, à chaque fois, je me fais avoir. Tant pis. Eh, parce que ça tape la soif. Oui, mais le problème c'est que après t'as la soif et la faim d'ailleurs qui redescendent plus vite. T'as réussi à sortir alors ou pas? Eh non. Bon, je vais ranger le vaisseau alors. Ah oui, mais je peux pas le ranger, là il est sur le pad, faut que j'aille le chercher et que je décolle, enfin que je ouais, que j'atterrisse dans un hangar. Mais qu'est-ce que je fais moi? Faudrait peut-être que je le range dans un hangar avant d'aller dans la console pour le ranger le. Ah! Oula! Ouais, même le Y pour descendre.
J'ai failli finir glitcher. Attends, c'est pad 2. Où sont les pads? Ils sont là, les pads. Merde, c'est pas pad que j'ai choisi ici. Merde, qu'est-ce que j'ai choisi? Je sais pas. Si, pad 2, ouais, je me suis pas trompé. C'est marqué en haut, généralement, ce qu'on a choisi. De quoi? Dans ces petits trucs-là, tout en haut, au niveau, au-dessus des boutons, il y a marqué ce qu'on a choisi. Ouais, mais j'ai pas fait gaffe. J'ai essayé de resélectionner dans la liste, mais... J'ai pas beaucoup de FPS, j'espère que c'est pas trop saccadé sur le live. J'en suis combien moi avec la RAM? Ouais, je vais peut-être fermer quoi? Ouais, je peux fermer ça. Ah bah de toute façon moi sur mes 16Go, je suis à 14Go utilisé. Ouais, moi sur mes 32Go, je suis à 30Go d'utiliser. J'ai vu des gens qui avaient 32 en moyenne, ils étaient entre 26 et 32Go utilisé. Ouais, non, mais après, j'ai vu quelqu'un qui a 64 gigas et il en avait 45 d'utilisés. En même temps, faut pas chercher. Plus tu mets de RAM, plus tu donnes de RAM à Windows, et plus il en bouffe, ouais, parce qu'il est gourmand comme tout, il est plus gourmand que moi. Et SC, pour l'instant, vu qu'il n'est pas optimisé, il se comporte un peu comme, comme Windows. De toute façon, je pense que à la rentrée, je me prendrai 32 gigas. Non. Pourquoi tu veux attendre la rentrée que les prix vont augmenter à la rentrée? Non mais là, parce que mon salaire pour mon job d'été, je l'ai que mi-août. Ah. Alors dès que tu l'as, dernière semaine d'août, parce que moi je sais, parce que c'est mon, je bosse là-dedans. Il faut savoir que chaque... L'été, c'est tout le temps moins cher. Chaque été, ouais, parce que l'activité informatique diminue. Baisse. Ouais, voilà, donc les prix, les tarifs baissent. Et c'est là que j'ai eu ma 3070, elle avait enfin baissé en prix à ce moment-là. Mi-août, je l'avais acheté. Ouais, moi je l'ai acheté mi-août, mais en plus c'était au moment où elles étaient introuvables. C'est une Founder Edition. J'ai cliqué dessus dans la seconde où elles ont été disponibles sur le site de LDLC et j'ai réussi à la choper comme ça. D'ailleurs, je visais qu'une 3060 Ti d'ailleurs à l'époque. Moi c'était fin de pénurie, la 3070 version MSI Gaming, j'ai réussi à la choper. Ça a été un drop sur Top Achat, j'ai pu la prendre. Alors, où c'est qui m'a filé le hangar? Ouais, là-bas. Ouais, parce que là, de toute façon, ça a bien baissé la DDR4 en prix surtout. Ah ouais, la RAM, et tout comme les... Parce que c'est les puces mémoire, hein. Bon, c'est pas les mêmes types, mais... Pour les SSD, c'est pareil, c'est des puces mémoire aussi. Les SSD aussi, ils ont bien baissé. Ils ont baissé à tel point que j'ai acheté un SSD. Attends, je vois plus du tout la station là. Ah non, oui, d'accord. J'ai que du NVMe. Ils ont baissé à tel point que j'ai réussi à acheter un SSD en SK Inix de 1 Tera pour 45 euros. Ouais. Ou 45, je sais plus si c'était 45,99 ou 44,99 pour le coup, tiens. Je me rappelle plus. Non, moi, là, de la G-Skill Trident, 32Go de RAM en K16, 4000 MHz, je l'ai pour 150 euros. C'est intéressant. Attends, tu dis combien? K16, 4000 MHz, 150 euros, 32Go. De la DDR4? De la DDR4 de G-Skill en Trident. Pourquoi tu prends de la 4 GHz? 4000? Oui, bah parce 4... que c'est la plus haute fréquence que... Ouais, mais ça sert à rien. De toute façon, elle est au même prix que la 3600. Ah bon, si elle est au même prix que la 3600, bon, pourquoi pas. Parce qu'en fait, dans les jeux, dans la plupart des jeux, oui. Bon, Star Citizen étant vraiment une exception pour nous, donc c'est vrai que, voilà. Mais en DDR4, dans les jeux, la 3600, jusqu'à la 3600, c'est intéressant. D'ailleurs, 3200, 3600... C'est ce qui est intéressant pour les jeux. En dessous, c'est pas intéressant, c'est pas assez rapide. Au-dessus, c'est plus exploité par les jeux. Alors, maintenant que la plateforme DDR5 est sortie, peut-être que de la DDR4 4000 peut-être sera un peu plus exploité que la 3600, mais je suis pas certain. Après, ce qui m'intéressait aussi, c'est que c'est une des seules versions qui proposait en K16, l'autre elle était en K18. Ouais, alors moi, il faut que tu saches que j'ai. Et Zuznok, d'ailleurs, ici présent, il a le même kit que moi. On regardait les timings la dernière fois parce que j'avais l'intention de passer à 64 Go.
Et comment te dire que avec les timings intermédiaires, parce que c'est de la CAS, moi j'ai de la DDR4, de la Crucial. Crucial n'en fabrique plus, malheureusement. Les balistiques. Ouais, voilà, les fameuses balistiques. De la 3600 MHz, c'est L16. Avec les timings secondaires en 19-19-38. Ah oui. Autant dire qu'il n'y a pas une seule autre barrette avec ces timings-là. À part peut-être celle que tu vises à 4 GHz, là. Ouais, D'ailleurs, c'est peut-être. laquelle, là? La G-Skill, ouais. C'est la Trident Z Neo. Ouais, c'est deux barrettes de 16? C'est ça, 2 barres de 16. Ouais. Je pense que c'est du 16. C'est peut-être du 16-18, 18-22, mais je suis pas sûr, ou 30. En 4 GHz, donc dans ces cas-là, pour le 3600, si je la fais tourner à 3600, elle serait normalement capable de tenir largement les mêmes timings que ma DDR4 3600 MHz. Mais le souci, c'est le tarif, parce que Zuzok, il en avait trouvé une. Je rentre le vaisseau, hein. Prépare-toi à être téléporté. Voilà. Et il en avait trouvé une, mais deux. Attends, qu'est-ce qu'il a trouvé? Ah non, parce qu'il a retrouvé de la cruciale, comme la nôtre en fait. Alors, je sais plus si c'était d'occasion sur eBay ou si c'était neuf pour le coup. Mais en fait, 209 euros le kit. Je lui dis, je fous pas Ah 200 ouais. euros. Non, quand on sait au prix auquel on peut l'avoir maintenant. Ouais, voilà. Gain facilité, gain trash. Ah, alors attends, qu'est-ce que j'ai comme mission moi? Parce que moi j'ai celle-là, je la prends ou pas? Si c'est une 60K, ouais, tu peux la prendre, hein, parce qu'on va pas tous en avoir des 60K. Ah, j'ai une 75K, je la prends aussi. Tu nous partages la tienne, Jack, en priorité là? Tout le monde il est là, tu l'as TP, c'est bon? Ah oui, c'est bon. Par contre, je vois pas Énorme. ton point. Ouais, accepte. Defend site, c'est le tien celui-là? Accepte quoi, facilité. Ah non, je crois que j'ai pas accepté le bon truc, moi. Ouais, la 64, je l'ai, moi, là. Tu veux que je la repartage, l'heure? Attends, 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 parce que je crois que j'ai accepté un autre truc que je devais pas accepter, moi. Ah non, non, c'est bon, je l'ai. Elle est à HDSF Rufus, la tienne? Ouais. Ok, je la traque. Parfait. Je ressors le cutlass. Bah, tu nous traques pas la tienne? Comme ça, on aura juste à faire suivre. Ouais, si tu veux, oui. Hangar Parfait. 4, je vous partage la mission. Attendez, je me repars dans la mobile glace. Alors, accepted. Ouais, c'était pour pas que vous en ayez. Attends, je me trompe pas. Ouais, c'est celle-là que je dois partager, moi. Là, voilà. C'est bon, le partage, il a fonctionné pour toi Moi, ce coup-ci. il s'est affiché et j'ai eu. C'est bon, je l'ai. HDMS Ch Colfax. chacun voit les points des autres, hein? Moi, je vous vois vos deux points. Putain, ça Ouais. marche maintenant, profitons-en. Alors, attends, la mienne. C'est Colfax, normalement. Attends, faut que je la sélectionne. Ouais, c'est Colfax, ouais, c'est ça. Viens On va com... d'ascenseur. On va... Trop tard. On va commencer par la tienne, Jack. C'est Hangar 4 et le Cutlass, hein. Ouais, Hangar 4, c'est ça. J'ai l'impression d'oublier quelque chose, je sais plus quoi. Vaisseau sorti. Ah Nous, oui. c'est Non, mais des j'avais pas bactéries. besoin de boire. Quoique, t'as raison, je pourrais. Merde, putain, je me suis fait enfermer par les portes. T'as raison, je vais boire tant que je suis ici. Même Ah si j'ai ouais. que 9% d'hydratation. Et. Et pourquoi tu as posé ton casque par terre? Pour boire. Tu pouvais le mettre dans l'inventaire. Moi? C'est plus rapide. Hein? Oui, c'est le stuff que j'ai dans le vaisseau qu'il faut que je transfère dans la station. Ah bah tu vois, tu peux. T'as le temps. Véhicule. Bon, j'ai pas grand-chose. Ah si, il y a quand même une. C'est vrai qu'il y avait la Rowed.
Move all. Qu'est-ce que j'ai sur moi? Ah oui, j'ai toujours la C54. Bon, c'est parfait. Oublie pas de remettre ton casque là, tu l'as pas. Oui. Oui, chef. Allez, je vais mettre celui-là. Oh, qu'est-ce qu'il est moche. Si tu te Non, prends ça une va. tête, tu vas le sentir passer. Non. Bon, t'as vu, Jack, j'ai changé de casque. Hein. Ouais, il a pas le temps de voir. Tant pis. Si, j'ai vu. C'est un casque comme le mien. Comme ça, t'éviteras de me tirer dessus, prochain coup, hein? Assassin. T'as qu'à pas t'habiller comme ça. Et comment tu t'habillais, toi, un temps? Ouais, mais c'est toi qui étais toujours habillé en jaune et gris, là. Là, comme Ouais. par hasard, tu te mets en truc et Ben ouais, mais il faut changer un peu de temps en temps. Ah, tiens, là, j'ai le truc qui est apparu, mais je peux pas refaire le plein alors qu'il me dit que j'ai 75% d'hydrogène. Bon, tant pis, c'est pas grave. On en a assez, de toute façon, je ferai le plein en fin de session. Vous avez pas fermé la trappe? Oh putain, heureusement que j'ai des Attends, boutons pour. Non, non, c'est bon, c'est fermé. boum, les portes étaient fermées. Comme la dernière fois. Moi, c'est avec le caractère que je dois rentrer dans un hangar. C'est au millimètre près qu'il faut le jouer parce qu'ils ont pas bien dimensionné tous les hangars. Ah! Ouais. Surtout le carac là, il est pas facile à rentrer. Je passe avec le C2, t'as pareil? Avec le C2, souvent c'est en largeur que c'est un peu chiant. Ouais, bah, le carax c'est surtout en longueur où tu en es à du juste. Et ce combien de fois j'ai pété mon carax en rentrant? Ah mais j'ai une route ou quoi? Du coup, t'as Ah suivi bah ma oui, mission ou j'ai pas une du tout? route. Oui, j'ai là je traque la tienne là. Attends, c'est Rufus toi, c'est ça? Ouais. Ouais, bon c'est ça alors. Ah, mais tu utilises le MSI Afterburner pour les... Ouais, pour afficher les Les specs quoi, températures. les ouais les temps, les pourcentages d'utilisation, les FPS aussi, tu vois, j'en ai 50 là. Pareil, j'en ai 59. Ça dépend. Ouais, il faut dire que j'ai limité à 60 dans le jeu. C'est pareil pour moi. Tu tapes la commande dans la console, 6 Je max tape FPS. SY tab et ça met direct max et comme ça. Je sais même pas si tu as besoin de taper le SY. Tu tapes S et en faisant tab, ouais. Ouais. Gagne une lettre. Le Oh mec, tu es putain. parti dans du moindre effort. S et Y sont très éloignés sur le clavier. Ouais, c'est vrai. On me le dit souvent, partisan du moindre effort, moi. Ah ouais? Ouais, ça c'est tous les sudistes, ça. Non, mais même rien que dans mes études, vu que je fais des études pour être ingénieur et développeur informatique, on nous dit souvent, oh, vous restez sur vos PC, vous faites pas grand-chose. Ouais, bien sûr, ouais. J'aimerais bien les y voir, moi. Hein, parce que j'ai voulu faire un peu de développement, moi, hein, mais je me suis vite échappé. Déjà, quand j'ai voulu faire un peu de HTML5, CSS3, j'ai compris. Oh, ça va encore, c'est du langage balise. Ouais, Tant c'est. qu'il n'y a pas d'intégration PHP, ça va normalement. Oh putain, on m'en parle pas, le PHP, c'est le pire. Et non, je trouve ça tranquille. Bon, j'ai l'habitude après. Peut-être pour ça, mais. Ah, il y a du monde. Un Aurora. On va le poutrer. Pardon. Les langages vraiment qui posent problème, c'est le Swift d'Apple. Putain, le Swift d'Apple. Et ils ont décidé de faire leur langage que pour leurs applications. Ouais, ça m'étonne pas d'eux, ça. Dès que tu veux mettre une application sur Apple, il faut que tu la mettes en Swift. De toute façon, quand tu vois que sur Windows, hein, il y a un composant que je désinstallais au début, moi, parce que je désinstalle toutes les applis de Windows, moi, sur les machines de mes clients. Le Et Swift. le fameux composant HEIF, ça te dit quelque chose? Oui, Parce peut-être. que tu dois. Non, t'es pas au courant en tant que développeur? En fait, quand tu as un appareil Apple, surtout un téléphone mobile qui tourne sous iOS, hein, ces empaffés de chez Apple, parce que moi j'appelle ça des empaffés. Tu utilises ton application photo et l'application photo, elle enregistre le fichier image au format HEIF au lieu d'utiliser le format JP qui est un format ouvert.
Oui, mais Apple. Quand tu transfères, quand tu transfères les photos de ton Apple, hein, tu me diras oui, c'est parce qu'en fait, t'es pas censé avoir un PC sous Windows, t'es censé avoir un PC Apple aussi, bien sûr. Ouais. Parce qu'il faut rester enfermé dans leur environnement. Putain, que je déteste ça, bordel. Ou alors, tu bref, passons. Leur application iCloud sur Windows pour récupérer tes photos. Ouais, aussi. Ou sinon, non, tu les transfères et puis tu les convertis avec. Avec le composant HUIF là. Bon. Bref, passons. Non, bon, tout ce qui est PC qui est en lourd ou quoi, je suis plus sur Android Studio, Java, C Sharp. Moi j'adore. J'adore Apple, hein. Moi aussi je suis équipé chez eux de toute façon pour le téléphone ou quoi que ce soit. Pour la qualité du matériel et le fait que leur environnement est quand même super sécurisé. Parce que voilà, la sécurité pour entre eux, elle est vraiment bien. Ouais, voilà. Mais ce que je déteste de chez eux, c'est que déjà, le matos, c'est un petit peu comme quand tu achètes un jeans Levi. Hein, tu payes un peu la marque, ils en profitent à ce niveau-là. Oui. Donc, ça, déjà, je suis pas fan. Non, mais parce qu'en fait, au début, je mettais en avant que cet argument chez eux. Mais il n'y a pas que. Tu payes aussi la qualité du matériel quand même. Hein, parce que le matériel est quand même de bonne qualité. Faut pas non plus trop leur casser du sucre sur le dos. Non. Mais ce que je reproche principalement... Alors, il y a deux reproches que je leur fais. C'est le fait qu'on soit enfermé dans leur environnement. Et aussi que lorsqu'ils décident qu'un matériel est obsolète, ils le rendent obsolète de manière logicielle. Oh, un Vulture écrasé. Ah bon? Un Vulture ici? Ouais, là. Attends, je suis dedans, moi, encore. Hein. En plus, il fait très nuit ici, dedans. Attends, je vais fermer d'en haut. Là. Par contre, je marche. Ah ouais, c'est un... Je sais pas si j'ai bloqué la vitesse de marche, mais... Tu peux accélérer avec la molette. La molette. Ah. Mais attends, tu as quelque chose dans les mains? Oui. Range ton arme avec la touche R prolongée et ressors là. Parce que des fois, en fait, il te fait avancer tout doucement... même quand tu sprintes, alors que t'es censé avancer un peu plus vite quand même quand t'as un objet dans les mains, que ce soit un tractor beam ou un. C'est bon. Poussez pas les gars, poussez pas. Oh putain, les synchros à la con, putain. Mais personne n'appuie sur le bouton, si je le fais pas, hein. On peut rester là longtemps comme ça, hein. On va pourrir sur pied, comme dirait mon père. Oh putain. Doucement. Ah, encore un qui a mal fini. Ouais. Bah, il y en a beaucoup qui finissent mal. Hein. Il y a un genre qui a mal fini. Oh punaise. Et là, il y a toute une secte qui a mal fini. Il avait quoi sur lui? Bah, rien, il est tout nu. Ah non, pas lui. Il y a des armes de partout. C'est une P8 ça, à chaque fois je me fais avoir. Qu'est-ce que c'est que cette arme? La car... Carna rifle, tu connais pas? Ouais. Ah mais ouais, parce que il y a peut-être des armes différentes sur les autres points, les autres planètes. Ouais, j'ai jamais eu de carna rifle. C'est une... comment ça s'appelle? Une sulfateuse, ouais voilà. Ouais. Ouais voilà, une sulfateuse. Oui, énergétique c'est vrai, elle est pas balistique, c'est vrai. Non, ouais, elle est... De P4 et de SMG. Ouais, parce que les FS9 et les P4, de toute façon, c'est les pirates qui les ont. Ouais. Ah, il y a pas mal de shotguns aussi. Oui, mais les shotguns, c'est les gardes qui les ont. Alors après, sur Crusader, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont comme arme, les gardes. Ah, les pirates lourds ont des shotguns aussi sur Crusader. Oui, les pirates lourds ici aussi, ils ont des BR de shotgun. C'est ça, tu as raison. Bon, vous avez du monde de vous? Parce que moi j'ai pas un chat ici. Oui, il y a du monde là. Les gardes qui fument la clope ici, tranquille. Un petit carnage. Là c'est bon, je l'ai eu. J'ai mon clic droit de souris qui déconne. J'ai repris position. Dans mon coin. Ah, t'aimes bien les positions, toi, hein? Pardon. Oui. J'aime beaucoup la 69. Ouais, ça m'étonne pas de toi. Oh, putain.
Heureusement qu'il est minuit. Punaise, pile. Non, c'était pas tourné minuit encore quand t'as sorti cette blague. Putain. Je vais avoir des problèmes avec Twitch, moi. On a encore le programme des. C'est toi qui m'as tendu la perche. Ouais. Puis t'aimes bien saisir les perches, toi, hein? N'est-ce pas? Lexa, il est sans dire putain, mais où c'est que je suis tombé là? Oh, il dit plus rien sur le coup. Oh, j'essaie de trouver comment retirer un chargeur d'une arme. Ah. Tu restes appuyé sur R. Ah bon? Non, c'est pour la ranger ça. Non, oui, c'est pour ranger l'arme. Non. Non, re retirer un chargeur de l'arme. Ben, la seule façon que. Parce que si tu fais customize, tu t'as pas accès au. T'as accès qu'aux accessoires, mais pas au chargeur. Le seul moyen que j'ai trouvé, moi, c'est tu fais I et puis tu. Avec la souris, tu vas chercher ton chargeur pour le. Pour le retirer, quoi. On va cligner la vague. Oh, putain, j'ai failli lui tirer dessus, là, un garde qui était sans triangle. Chiant, ça aussi. C'est bon en bas. Ah ouais. Je m'occupe du dernier. Voilà. Je crois que je vais abandonner le fait d'essayer de la récupérer. Ah, mais il y a des boîtes rouges ici. Si t'as besoin de chargeur de P4, tu me dis, hein. Moi, je ramasse que ça. Non, j'en ai plein mon inventaire aussi, les chargeurs. J'en ai 160 de côté. Vu! Je suis à l'entrée de la première salle du On serveur. va commencer. Ouais. Le compteur, il est fini. Les messieurs, ils ont pop. Tiens, d'ailleurs, il y a des. C'est sexiste là, il y a des pirates que. Hommes, il n'y a pas des pirates femmes. Ça va pas ça. Bon, on sait pas sous leur combi. J'entends des balles qui me fusent autour de la tête, mais je vois rien du tout. J'entends des pirates et des balles, mais c'est vrai que j'en vois pas, hein. Ah, mais en fait, ils sont en bas au rez-de-chaussée. C'est les sons qui traversent les planchers. Tout comme les balles, des fois, d'ailleurs. Et mais calmez-vous, les gardes, là. Ils courent partout, ces espèces d'empaffés. Bon, Fini. mais ça y est, fini. Voilà. Quelqu'un a été plus rapide. Je sais pas qui c'est. Les gardes, sûrement, ils devaient être efficaces. Ah, peut-être. Pourquoi tu rigoles, Jack? C'est toi qui les a finis, les mecs, ou quoi? J'en ai enchaîné plusieurs, ouais. Ah ouais, bon, c'est ça, ouais. Alors, je sais pas si c'est moi qui les a tous tués, mais j'en ai enchaîné plusieurs. Peut-être, et qui c'est? Bon, mais c'est bon, allez hop. Hop là. Ah, c'est pas une. Non, c'est pas une P6. Lui, c'est du P4. Et lui, c'est du C54G. Non. Bon, je vais en ramasser de la P4 parce qu'on en a toujours besoin. Ah mais ça a déjà été nettoyé ici, hein. Je sais pas qui c'est qui a nettoyé les cadavres, mais il reste plus rien, hein. C'est la dèche. Ah, ben oui, bien sûr que c'est Lex, parce que c'est pas toi. Il dit rien dans son coin, tu sais, mais il en pense pas moins. Hein. Ah, il reste des chargeurs de P4 ici, tiens. À moi, à moi, à moi. Je récupère pas tous les chargeurs non plus. Je vois ça, oui. Et faut rien laisser, pas une miette, hein. Non! Tu sais qu'on t'attend là? Mais je m'en fous, c'est moi qui ai les clés du camion. Pensez à Track, la nouvelle mission.
C'est vrai. De toute façon, si on ne traque pas, on oubliera de la faire. Hein. Hop là. Il faut pas laisser des trucs par terre là, hein, dégueulasse. Il y a rien par terre. Si, il y a un chargeur C54G là. Regarde là. Ah mais moi j'ai rien. Pareil, c'est moi qui viens de le faire tomber en arrivant. Parce que j'en sème moi des chargeurs. Oui, moi, merde. Coup, quand je les transfère directement sur moi, ils tombent. Mais... Et là, j'ai laissé tomber ma C54G parce que j'avais deux armes sur moi. Mais en plus, ils sont toujours fonctionnels tous ces vaisseaux. Tous peut-être pas, hein, mais une partie, ouais, oui. Le Aurora, on dirait. Bon, le Vulture, lui, il est en morceaux, on va pas tenter. Ah, j'ai certaines animations, je sais pas vous, mais j'ai certaines animations, notamment là quand j'ai voulu ramasser mon arme. Comment dire, ça prend un petit peu de temps par moment. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas d'écho reco du serveur. Ouais, bon, des fois, si c'est pour rejoindre un serveur qui est pire, c'est pas trop la peine. Celui-là, ça va pour l'instant. Ouais, il est pas parfait, mais il a le mérite de fonctionner. C'est déjà ça. Allez, hop, on met tout dans le vaisseau. Fait pas tout quand même. Hop. Et tout du tout dans le vaisseau. Hop. Ah, cette porte qui se ferme quand on veut pas et qui s'ouvre jamais quand on veut. Allô, le fauteuil de pilote, tu veux bien me donner la... Ouais, ça y est. Bon, vous avez traqué la mission, les gars ? Ouais. Ah, bien sûr, j'ai appuyé sur I trop tard. Vous êtes assis, j'espère. Non. Oui. Tant pis. Baldur's Gate 3. Ouais. Ils sont tous dessus en ce moment. Ouais, ouais. Bah, c'est depuis qu'il est sorti. Bah oui. Il est sorti quand, début de semaine, non? Non, il n'y a pas longtemps. Il y a deux jours, je crois. Il est peut-être sorti vendredi, ouais, pour le coup. Donc, ouais, tout le monde va dessus. Au pire, mercredi. Allez, on va dire mercredi au pire. Moi, je vais jouer à Code 4 pour mon prochain live. Ah, moi j'ai fait la bêta fermée de Payday 3 là. Ah ouais? Ouais, il est sympa. Dire que. j'ai. Enfin, non, finalement, j'ai joué qu'à une seule bêta fermée, moi, c'était celle de. Battlefield 3. Et. Mais d'ailleurs, tu veux faire du développement jeu vidéo ou. Ou plus non, généraliste. Je suis dans une étude plus généraliste, je fais tout, site web, application lourde, client riche, client lourd. Ouais. Ouais, t'auras plus de clients riches que de clients lourds. Hein. Ouais. Oh la blague. Ah oui, mais c'est du développement général pour toute application. Ouais, ouais, ouais. Ah, il fait jour, cool. Oh putain, ça pète les yeux. J'ai le bac plus 2 déjà et je continue. Ouais, ça, ils en demandent de toute façon en pagaille. Partout. Moi, je vise le master pour être ingénieur. Ouais, comme ça, tu fileras le sale boulot aux autres hein, et après, tu les engueuleras parce qu'ils auront pas bien fait le boulot. Là, si je commence, je suis développeur. Alors, si je peux être chef de projet ou ingénieur, je prends. Ouais, mais le problème de chef de projet, c'est que t'es. En fait, tu gères le projet, mais tu codes quasiment plus. Eh oui, bah, c'est pareil pour ingénieur. Au final, tu codes plus beaucoup. Ouais. Mais t'as une meilleure situation et tout, c'est ça. Qui... Ah, ben oui, ça t'es mieux payé. Eh oui, aussi. Mais ça, y a pas photo. Ça. C'est là qu'est la grosse différence. T'es censé avoir plus de connaissances, pouvoir mieux faire que les autres, mais tu
Au final, tu es celui-là qui fait le moins. Ouais. C'est ça, boulot de feignant, comme disait l'autre. Non, j'ai eu un doute sur le coup. Je me suis dit, attends, on a le trespassing ici ou pas? Non. On avait déjà passé les 5 km donc, ou 6 km, je sais plus à combien il nous détecte pour le coup. Et ça prend le VTOL pour descendre, c'est super bien. Ouais. Sauf que comme je m'en sers quasiment jamais, enfin là j'essaie de commencer à m'en servir. Attends, merci, c'est la lampe. Place, en plus. Ouais. Avec la peinture dégueulasse là, non? Ah non, pardon, c'était non, le pare-brise non, non, que non. Je voyais. Il y a un C8 devant en plus. Oula, tu. Non, ça... non, non, ça passe. Comme papa dans ma main, pardon. Ah oui, par contre, voyons, attends. Ça va peut-être redécoller, bougez pas. Hein. Tout le monde non, ça va, elle passe, la rampe, elle est pas trop longue. D'ailleurs, quand ils l'auront refait, le Cutlass. Elle risque d'être. Alors, je sais pas comment ils vont la refaire. Est-ce qu'ils vont la refaire comme sur le C2 ou le Carac en deux parties là, une partie qui se déplie et une partie qui se déploie? Ou est-ce qu'ils vont faire en sorte que elle puisse s'orienter plus bas encore? Évite de passer dans les carcasses, c'est un truc à être glitch. Ah oui, ça c'est clair. Et à glitcher, mais à rester coincé en fait après. Mais c'est vrai, j'ai toujours pas de tractor beam moi. Merde, j'ai fait oublier de fermer le Cutlass pour le coup. Ah, mais d'accord! J'avais pas oublié, mais en fait. Les moteurs sont coupés. Ouais, les moteurs sont coupés, normalement j'oublie pas. Ah, mais en fait, c'est. Ouais, je comprends là. Je sais pas si c'est le lag que j'ai. Des fois, j'ai le bouton. Ouais, voilà, le bouton open, il veut pas se. Il veut pas s'open. Ou close là, il veut pas apparaître comme il faut. C'est bizarre ça. Sur le Vulture, ça me faisait pareil chez Drake que les boutons. Non, c'est pas Drake. Hein. C'est le serveur qui déconne. Hein. Le matériel Drake fonctionne parfaitement bien. Non. Comment? Non. Attention, hein. Je préfère le matériel du chimiste, RSI ou Anvil. Comment? Attention, hein. Oh, mais c'est qui me tire dessus, le mec? Carrément. Moi, j'ai tiré à côté. Ah oui, mais sauf que j'ai avancé, en fait. Il y a une boîte, là. Une petite boîte, si vous voulez, les gars. Une boîte de sardines? Pardon. Oh, un couteau, ça, je prends. Ouais, on revient tellement rapidement sur les mêmes endroits que les boîtes, elles ont pas le temps de se régénérer. Et elles sont toujours là, avec marqué loot en rouge dessus. C'est pas grave, cool. On fait de la répute et des sous. C'est vrai. Moi, j'ai pu récupérer un couteau et un tracteur bien. T'en es où de ta répute, Jack? T'as bien monté le niveau 3 là? Je vais te dire ça. Je vais regarder, moi, tiens, où c'est que j'en suis? Oh, moi ici, je suis qu'à la moitié du niveau 1. Ah, bah c'est déjà bien si t'as monté la moitié du niveau 1. Ah, mais oui, mais ceci dit, au début ça monte très vite, après ça monte moins vite. Ouais. Ah, je serais bien. Ah non, elle est verrouillée. Ouais, tu vois, moi, regarde. Depuis hier soir qu'on a joué, Jack, regarde. On a fini hier soir, j'étais à la fin du R, regarde ce que j'ai gagné en plus. La largeur d'une lettre à peine en fait. Ouais, moi je suis en fait vers la fin du S de sécurité. En fait, si Edgy va déployer la 320 avant que j'atteigne le niveau 5. La 320, ce serait pour début septembre. C'est ça, en fait. Parce qu'en 15 jours, je vais pas arriver à... Ah, moi non plus, j'aurais pas mes réputations, même chez Crusader. Oh, moi non plus. La 320, je sais pas si on va avoir un wipe, mais 4.0, là, on aura le wipe. 320, pardon, on aura un wipe, parce que... pour effacer les gens qui ont dupliqué des items, là, avec les mules. Ouais. C'était pas prévu le wipe à la base, hein, mais et d'ailleurs si Edgy a dit que et puis je suis pas d'accord avec Zuzok avec ça là qui est passé tout à l'heure, hein,
Parce que il me disait que tant que CIG n'aurait pas identifié le bug, il ferait pas de wipe. Mais moi j'ai dit que et d'ailleurs ça s'est déjà produit ça en 3.16 ou en 3.17, je sais plus, qu'ils avaient wipe parce qu'ils avaient trop de données à explorer à cause des bugs. Ouais, et des bugs de duplication, voilà, les bases de données étaient remplies à foison. Et en plus, il y avait des corruptions sur les bases de données. Et qu'à cause de ça, Mais tu sais quoi, ça c'est le discours officiel. Mais officieusement, je pense que comme ils aiment pas qu'on profite des bugs à se faire des thunes dessus... Par contre, sur les bases de données, elles sont colossales. Ça, c'est vrai. Il y a vraiment Mais je pense que même s'ils n'ont pas réussi à identifier un bug de duplication, je pense qu'ils feront un wipe exprès pour pas que les gens fassent trop de thunes avec. Hein. Tout simplement. Oui, ça va mieux quand même depuis qu'ils ont reset les bases données. Je sais pas si tu as dû le voir. Ils ont du coup remodelé le système de vaisseau pour le délivrer et tout. Et ça, maintenant, on arrive à délivrer nos vaisseaux. On n'a plus de vaisseaux qui veulent plus se délivrer ou quoi. Ah oui, au niveau des consoles. Ouais. Ouais, ouais, non, ça oui, ça aussi. Oui, j'ai connu, oui. J'ai commencé en 3.16, donc... Ça, c'était la base donnée qui était trop surchargée chaque fois. C'est pour ça qu'ils ont mis en place le système de délivrée. Parce qu'en gros, quand tu délivres, tu charges ton vaisseau pour la première fois dans la base donnée. Ouais, oui. Tout le monde, toute l'intégralité des grosses flottes pour tous ceux qui sont référales et qui ont tous les vaisseaux, c'était pas tout chargé. C'est juste quand tu choisissais un vaisseau qu'il chargeait. Qu'ils aient mis ça en place, ça c'est bien ça. Comme quoi, ils font des trucs bien parfois. Hein. Ouais, faudra aussi attendre Vulkan pour l'optimisation des caractéristiques, parce qu'on a la Gen 12 déjà. J'ai balancé le badoumtsz et les rires parce que, comme c'était un troll. Bien que ça, ils ont mis l'optimisation côté processeur pour les cœurs, mais ils l'ont pas totalement activé. Moi, j'ai testé, mais j'y suis pas arrivé. J'ai testé là sur le. Je parlais du SSD que j'ai acheté là. Je l'ai acheté il y a quoi, 3 semaines et un mois. Alors, le problème, c'est que sur ma carte mère, je n'ai qu'un seul port M2. J'ai deux slots NVMe, pardon, mais j'en ai qu'un en PCI Express 4.0, l'autre il est 3.0. Ouais, j'ai pareil, j'en ai qu'un. Donc j'étais obligé à chaque fois de démonter mon Samsung 980 Pro sur lequel il y a mon Windows pour mettre le SKNX à la place. Ah mais c'est vrai, j'ai toujours le couteau, c'est cool. Et j'ai installé une distribution, d'ailleurs j'en ai testé plusieurs. J'ai installé un Debian 12 qui venait de sortir là. J'ai installé... Qu'est-ce que j'ai essayé aussi comme autre distribution? Une Solus 4.4. Je sais pas si tu connais l'environnement Linux. Hein. Debian, ça, ouais. Ouais. Ubuntu, ouais. Et j'ai essayé une Ubuntu. Et la dernière que j'ai essayé, c'est une Linux Mint, qui est une dérivée d'Ubuntu, elle-même dérivée de Debian, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent. Ou pas. Et j'ai essayé d'installer... Alors déjà, tu galères pour installer les pilotes NVIDIA. Quand t'as des pilotes AMD... Merde, mais c'est pas là la sortie, qu'est-ce que je déconne, moi. Tu galères pour installer les pilotes NVIDIA, c'est un peu plus compliqué que pour installer les pilotes... Eh, parce que je crois que GeForce Experience n'est pas optimisé pour Linux, de toute façon. Alors, c'est pas ça, c'est qu'en fait, pendant très longtemps, AMD, tout comme... Mais je crois qu'AMD était moins coutumier du fait, quand même. Vous êtes sur la plateforme, les deux, c'est ouais. Bon ouais. Après, Linux était pas mal boudé vu qu'il y a Windows. Alors Linux pendant très longtemps été boudé par les fabricants pour qui délivrent les spécifications pour développer des firmwares. Ouais. Mais maintenant ça s'est un petit peu amélioré tout ça, tout ce support. Les fabricants sont un peu plus coulants à ce niveau-là et distribuent un peu plus facilement les specs. Voire des firmware eux-mêmes qui développent eux-mêmes pour Linux. Et ce qui fait qu'on peut y avoir accès plus facilement dans telle ou telle distribution. C'est un problème qui arrive tous les jours.
Oui, c'est mon métier. Alors, j'ai appris quasiment tout ce que je sais en informatique, je l'ai appris en autodidacte, moi. J'ai fait une formation en Centrafpa il y a une dizaine d'années. C'était TAI, technicien d'assistance informatique. Ben c'est niveau bac, hein. C'est pas niveau bac pro. Hein. Et vous étiez dans le vaisseau, j'ai décollé. Oui, on est dans le... Le mec, il décolle à moins de... Aïe. Quoi, aïe? On est tombés tous les deux. Non, mais c'est pas vrai. Arrêtez de jouer les chochottes, là. Ouais, t'as raison. Et quand j'ai fait ce... Quand j'ai fait cette... Elle était découpée en trois modules, ma... Ah, mais on a fini l'émission, là. On en a plus. Non, on n'en a plus. Attends, il y en a d'autres, hein? Oh, il n'y a plus que de la merde, là, maintenant. Tu veux faire une... Eliminate Drug Stash à 65 000? Merde, elle est partie. Non, je l'ai là. Non, je l'ai là, je l'ai là. Tu veux faire ça ou... C'est quoi comme petite mission, ça, déjà? T'as jamais fait? Ouais, on va faire, tiens. Allez, je Je sais vous la plus si j'ai partage. fait. Ah, c'est les drogues? Ouais. Ah ouais, à moi, à chaque fois, elles ont été buggées, les drogues, quand j'ai voulu les faire. Je vous la partage, la mission, là. Ouais, les drogues, ouais, à chaque fois, ça a été buggé quand Merde, j'ai on est à voulu en faire. 23 km. Ouais, non, mais en fait, il faut attendre que les boîtes pop. Parce Ça que... buguait pas mal en 3.17 et en 3.18. Là, maintenant, ça bug beaucoup moins. Là, quand j'ai pris les missions de drogue sur Crusader, je descendais de l'ascenseur et le point restait au niveau de l'ascenseur et ça s'actualisait pas. Ouais, mais ici aussi, hein, le script est le même partout donc pour les missions, donc c'était buggé ici aussi. Hein. Le stash, il bougeait pas, il s'est bloqué l'ascenseur, moi. Avec des nuances quand même, parce que un temps, alors je crois que c'était en 3.17 si je dis pas de bêtises. Ah, par contre, putain, on peut pas y aller, c'est pas un point public. C'est vrai. Ah, oh, j'avais complètement zappé pour le coup, Eh oui, ça. il faut se Et... poser plus loin. Ouais, il va falloir se poser à 5 km, enfin à 1,7 km en plus. Sauf si t'as des rochers qui couvrent le tout, tu peux te mettre derrière des rochers. Ouais, mais il y C'est a ce peu de que je fais chance. moi, avec le rouge, j'arrive à mettre ça Ouais, en 300 mètres et je... mais il y en a pas beaucoup des trucs comme ça. Et pour en revenir à ma formation, en fait, le module du premier, le premier module qui durait un trimestre, à la fin, il y avait un QCM pour valider le module 1. Il y avait 128 questions dedans. Et j'ai répondu à 126 questions sur 128. Et j'ai eu toutes les réponses justes. Et les deux questions auxquelles je n'ai pas répondu, c'est parce qu'en fait, elles étaient mal posées. Tu sais, il y avait une double négation. Et ce qui fait que tu savais pas. En plus, la réponse était fausse. La bonne réponse qu'il fallait choisir, c'était pas la bonne dans le truc parce que il y avait un problème de rédaction dans le module. Et voilà. Mon formateur, il avait jamais vu ça. Parce qu'en fait, j'avais appris des trucs déjà par moi-même en autodidacte. Moi, c'est là cette année à mon examen de BTS. On avait un QCM en maths. Ils se sont rendu compte que deux des quatre lignes de QCM, aucune des réponses était juste. Ah ouais, mais ça. Bon, on est à 300 km, hein. Alors, attendez, je vais remonter en altitude pour aller un peu plus vite. Je vais essayer de garder le cap. Ouais, parce que du coup, tu peux pas jump. Et non, on peut pas jump, donc on est obligé de jump. J'ai jump sur un HDMS ou un HDSF, je sais plus, qui me semblait le plus proche. Et encore, c'est pas le pire. Le pire sur Hearthstone, c'est Palomar. Palomar. Tu jumps sur le truc le plus proche et t'es à 600 bornes encore hein, de Palomar, 585 je crois ou 89 km. Donc faut se taper 600 bornes en hydro là, c'est un peu la merde. Ah mais par contre j'ai pas pris, il faut que je refasse le plein des munitions moi. Pour pouvoir péter les boîtes aux munitions, ça va quand même plus vite, comme on en a en pagaille. Oh, je ramasserai des P4 sur place. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'ennemis, généralement. Non, il n'y en a que 10-12 max. Après, ça dépend s'ils ont des FS9, par exemple, ce sera à coup de 120 balles qu'on aura. Ouais. Comme chaque ennemi a toujours deux chargeurs sur lui, ça peut faire beaucoup de munitions. Après, il y a beaucoup de... Tu sais,
ceux qui sont en cuir là, avec les, leur cagoule là, fout ta cagoule. Ouais, ceux-là oui, ils ont quand même des armes énergétiques, c'est des... Oui, et en plus ils ont pas de chargeur sur eux parce qu'ils ont pas de... ou quasiment pas. De... C'est des SMG de 60 balles je crois qu'ils ont. Ouais, c'est les Custodian. Ouais, c'est ça, Custodian. J'aime bien cette arme moi, je trouve pas mal, surtout qu'en plus comme il y a un chargeur de 60 balles, j'aime bien. Ça fait de la munition. Elle coûte pas cher surtout. Mais t'achètes des balles, t'achètes des armes et des munitions toi? Oui, quand je commence la première fois, pour pas avoir que le pistolet, je prends une arme. Ah, ouais, moi je fais une petite mission bunker à 10 000 ou 15 000, là j'y vais à poil. Faire un poil en pyjama. Ouais, les provide backup, c'est les premières. Comme ça, j'achète rien. Alors, il faut dire que, comme je commence à Lorville, contrairement à Arcorp, à Arcorp, quand tu sors des bâtiments à Arcorp, ce qu'il y a de bien, c'est que à la sortie des apparts, t'as un magasin pour acheter des armes et des armures. À Lorville, il n'y a pas. Et à Lorville, il n'y a pas. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai pas pris l'habitude de d'acheter des armes et des armures. Je les loot dans les bunkers en fait. Voilà. Et c'est bien comme habitude. Comme on a toujours commencé, même avec les wipes, on commençait. Moi j'ai commencé. Oui. Non, excusez-moi, c'est pas grave. Ah. Voilà, je faut que je parle un peu moins fort parce qu'on m'entend en fait. Voilà. Ah. Et qu'est-ce que je disais sur le coup, je sais plus. Parce qu'on est dimanche ou on est samedi soir, je sais plus. Dimanche soir. Dimanche soir, oui. Enfin non, on est lundi matin là. Oui, mais oui, du coup ça travaille demain parce que ouais, je suis couché, moi tout le monde est couché, je viens de me rendre compte. Mais oui, il faut faire gaffe. D'ailleurs, moi, faut pas que je traîne trop parce que j'ai du boulot demain d'ailleurs pour le coup. Bon, on va faire celle-là et puis on va s'arrêter, je pense. Ouais, on va s'arrêter, ouais. Comme ça, je ferai pas un live de 4h ou 5h comme j'ai fait les jours derniers là. Là, tu arrives déjà à 3h déjà. Ouais, bientôt, ouais, 2h56. Et non mais il faut que je... Ouais, ce qu'il faut que je fasse en fait c'est voilà, pas mettre mon casque sur les oreilles hein, complètement pour m'entendre parler. Parce que j'ai un casque qui est vachement... Ouais pareil, j'entends pas autour. Ouais ouais, ouais j'entends ouais, rien, je m'entends pas parler et à cause de ça je parle très fort alors. En plus j'ai la voix qui porte. Et souvent moi c'est à 2h du mat, on entre et on me dit qu'il faudrait que je parle plus fort. on est tous logés à la même enseigne. Moi, c'est la même chose. Attends, puis, on est encore à 5. Ils ont pas à se plaindre là-dessus parce que s'ils viennent commencer à m'emmerder là-dessus, je vais les faire chier sur autre chose. Non, moi, mes voisins, je les ai engueulés, déplacer des meubles à 3h du mat des fois, donc je pense qu'ils n'ont pas à se plaindre. Ah ouais, c'est cool quand t'as des voisins qui te déplacent des meubles à 3h du matin. Et un temps ils ont fait ça. Là, tu sais qu'à une époque quand j'étais plus jeune je le faisais. À minuit je me disais oh putain j'en ai marre de ma chambre, je vais déménager tous les meubles. Ouais alors déménager les meubles dans l'après-midi ou même en début de soirée d'accord, mais à minuit moi c'est un truc que je ferais pas quand même. Hein. Bon après moi je suis en ville là moi. Hein. Donc ça va. C'est des feuilles OCB en fait. Après, moi je suis extérieur de ville plus côté campagne donc ça va. Ah, moi je suis en ville. Tu vois, si j'ai ma voisine de tout en haut, elle est en train de baiser avec son mec ou sa nana, bah je les entends baiser. Mais c'est cool, t'as pas besoin de mettre le film de Canal Plus comme ça. Ah, mais j'ai pas l'image. Ah mince alors. J'ai le son, mais j'ai pas l'image.
Ah ouais, mais c'est vrai, il faut qu'on se pose avant là. C'est chiant ça. D'ailleurs, il y a un Cutlass Black qui est posé là. Je pense qu'on sera obligé de se poser à l'endroit où il est posé. De toute façon, moi j'ai un truc pour savoir si je fais trop de bruit. Et c'est mon père, s'il frappe à la porte, c'est que je fais trop de bruit. Ouais, ça... moi c'est Max, ma mère. Bon, généralement c'est ma mère aussi parce que le père il dort comme un loir. Ouais, bah justement, moi c'est ça le truc. Mon père il dort comme ça aussi, il dort comme un loir. Mais s'il se met à frapper à ma porte, c'est que vraiment là ça va pas. Attends, j'ai une. Il y a une colline là par là. Est-ce que moi, tu crois qu'on pourrait se poser devant là? Enfin, derrière, pardon. Pas intérêt à faire du bruit parce que quand je vais me coucher, c'est là que ça part au travail pour eux. Ah oui. Il est où là, je... Ouais, derrière la grosse colline, je pense qu'il n'y aura pas de problème. T'es hors. C'est ce que je fais moi généralement avec mon arbre. Là, tu es peut-être un peu loin. Ah non, merci, c'était le cutlass que je voyais. Non, attends, les roues, on va pas se poser tout de suite. Attends, faut que je ralentisse par contre, parce que sinon ouais, on va se. Derrière la colline qu'il y a là, on va se cogner. Ouais, on sera quand même encore à 1800 mètres. Hein. On va essayer de se poser derrière l'autre. Ouais. Enfin, l'autre, celle-là, quoi. Parce que là, on va se taper un kilomètre. Hein. À pied. Pourquoi ça a tiré? Je sais pas qui c'est qui a tiré. C'est les. Les tourelles qui tirent ouais, parce qu'il n'y a pas plus près. Non, il n'y a pas plus près. Hop là. C'est les... En fait, les tourelles... Et d'ailleurs, c'était bugué un temps, ça. Parce que les tourelles, elles tiraient à travers les... Les rochers. Ouais, à travers les rochers. Ouais. Par devant. Ouais, non, mais attends. Attends, ça va pas. Pourquoi? Parce que. Le... Ah, le creux. Ouais, avec le creux, j'ai la rampe, elle touche pas. Prenez la voiture, vous. Moi, j'y vais à pied, j'arrive. J'arrive. Oh là. Là, c'est mieux, là? Oula, non, il y a un espace. En sautant, tu montes pas, là? Ah ouais? J'aurais pas cru. Alors attends, bouge pas. Si, c'est bon, là j'ai réussi. Faut prendre un peu d'élan. Ouais, bon ok. Je reste comme ça alors. Ouais, avec de l'élan ça passe, mais faut pas sortir le véhicule, il rentrera jamais. Tu crois? Ouais, peut-être, mais il va falloir y aller en forçant. Autant le PTV, oui, mais le STV il a quand même des roues. Peut-être. Un peu plus grosses. On va tester, puis de toute façon, si on peut pas le rentrer, on le laissera là, c'est pas grave. Tant pis. Par contre, il faut fermer la rampe au cas où quelqu'un nous pique le vaisseau. Tu t'en occupes? Ouais, alors par contre, si tu sors avant que je roule, je m'arrête, je veux dire. On va aussi fermer les côtés. Non, les côtés, ça risque rien, tu peux pas monter. Ouais, ou alors il faudrait qu'un mec il vienne avec un vaisseau, qui monte sur le toit de son vaisseau. On sait jamais avec. Et que de là il saute, mais. Salut, pirate toi-même, Coyote. Yo, Coyote. C'est bon, t'es dans la voiture? Ouais. Parce que je commence à rouler avant. Bon, normalement il est par là. Ouais, tout droit. Aïe! Oh putain, par contre les cailloux. C'est un chiant ça. Il y a des voleurs qui ont piqué l'entrée. Merde. Ouah. Et heureusement qu'il n'y a pas de permis à point dans l'ancienne. Non, mais moi je le sais, je maîtrise parfaitement ma conduite. Moi. Pas besoin de permis à point.
Tiens, il faut que je... Tant que j'y pense, il faut que je fasse une capture d'écran aussi pour le... On voit ça. Il faut que je fasse une capture d'écran pour le... Pour la miniature. Est-ce que je peux faire comme ça? Il est cool le plafond. Ça va. Non mais je touche les textures. Putain. Bon ça fait rien, on va y aller comme ça. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Hein. C'était ça. Je me suis foutu dedans. Go. Ah, j'ai pas pris les munitions. Merde, j'ai que 80 balles sur moi. Ça me droppera en bas. Ah, mais j'ai des chargeurs. J'avais gardé des chargeurs de P4 sur moi. C'est bon. T'as pas de P4, je crois. Non, mais j'en ramasserai une par terre. Il y en aura. Enfin, j'espère. Bon, normalement, les tris, ils sont déjà là. Je vais à droite. Au fond, hein. Au fond, il y en a. Après, on aurait peut-être dû attendre en bas que les boîtes pop avant de buter les mecs, non? Je sais plus. Ah ouais. Je la fais tellement rarement cette mission que. Comme je la trouve. Bah, moi, comme je sais qu'elles sont buggées, je les fais. Ouais, alors elles le sont beaucoup moins maintenant. Hein. Oula, ouais. Oh le salaud. J'ai plus. Je suis en trespassing. Mais non, mais c'est normal, tu l'étais déjà en trespassing. Par contre, tu t'es fait buter, je vois. Même buté. Tout va bien, Lex? Tu t'en sors? Ouais. T'es pas à terre? Non, j'ai juste pris une petite balle, mais ça va, je suis pas comme on dit. Donc, tous les derniers. Oh, putain, mais il a pris encore. Voilà, vous avez vu comment il est le... Ah mais ça t'a pas soigné, Jack? Non. Ah putain, j'ai l'animation qui a commencé. Non mais moi je suis bugué ce soir encore. Hein. Oula, j'ai plus une balle là. Attends, je vais en prendre un autre. Parce que j'en ai. Ah, tous les coups ça a soigné le mec à côté de toi, non? Non mais il était mort le mec à côté de toi. C'est bon, t'es soigné là normalement, hein, Jack. Ouais. On est d'accord. C'est merde. Ah oui, en fait, les boîtes de drogue, elles ont commencé à pop, mais il faut qu'on attende qu'on ait d'avoir le comment ça s'appelle? Le décompte en haut. Vous l'avez? Moi, je l'ai pas. Hein. Non, je sais pas. T'as buté tous les mecs, Lex? Non. Non. Tiens, il y en a un là. Mais il y en a, ils prennent pas leur balle. Ouais, mais ça, n'en parle pas. Non, au fond il y en a une armure lourde, je crois. Merde, ça c'est un civil. Ok, lui il est mort. Ouais, moi j'ai plus de balles. Faut éviter de les buter, les civils. Le problème c'est qu'on n'a pas de décompte, on sait pas si on les a tous butés ou pas, les mecs. Ouais, c'est ça. Et ouais, et puis en plus il y a des civils alors. Ceux-là ils sont pas comptés les, dans les civils. Ouais ça va Coyote? Ouais je parle un peu enfin, j'essaie de parler un peu moins fort parce que je me suis fait remonter les bretelles là. Donc voilà. Et je pense qu'elle va être buggée parce qu'il y a des caisses qui sont apparues. Mais il y en a pas partout et on a toujours pas le décompte en haut en fait. Défoncer les civils aussi, hein, si vous envoyez. Non, non, les civils, faut pas y toucher.
bourré. Hein. Le crime stat. Ah bah tiens, mais non, t'as pas de crime stat, c'est un criminel. C'est pas faux. Je vais faire le test, là, ouais. Voilà, t'es mort. Il y en a encore des pirates en plus. Il y en a encore des pirates? Bah, je viens d'en flinguer un là à l'instant. T'es où toi? T'es en haut? Ouais. Ah ouais, il y en a peut-être encore qui sont sortis d'en haut. Voilà, je fais le tour là, je vois rien pour l'instant. Parce que pointe, il y a un cimetière. Juste là, il y a un cimetière. Ah ouais, il y en a un paquet. Ah oui, puis moi j'ai des boîtes. Ah ben elles apparaissent au fur et à mesure, les boîtes, d'accord. Ah ouais, pareil. Vous savez ce qu'on va faire hein si... Attends, attends, non, tire pas dessus, tire pas dessus, tire pas dessus. Ah mince. Tire pas dessus, faut pas tirer dessus tant qu'on n'a pas le décompte qui est arrivé en haut. Jack, t'es où? Je l'ai rarement. Ah oui, ça apparaît encore là en plus. Jack, j'arrive. Ouais, venez, on va revenir à l'ascenseur. Je sais pas si ça va débugger la chose, mais... Ouais, c'est en train d'apparaître partout là. Ouais, mais ça apparaît, mais il faut qu'elle finisse de pop. Et on peut attendre jusqu'à 10 minutes. Le problème, c'est que t'as tiré sur certaines, donc je me demande si t'as pas fait bugger le truc. J'espère pas. On va revenir sur la passerelle. Je sais pas si ça y fera. Pour le coup. Après, est-ce que le fait qu'on soit à côté, ça les charge pas? Ben, je sais pas. Je sais pas parce que... normalement, non, on n'est plus obligé d'attendre le compteur. Ah bon? T'es sûr? Parce que, regarde, il n'y en a pas partout, hein, sur les... Après, regarde. Je pense pas qu'il y ait besoin qu'il y en ait partout. Et il en manque un paquet. Ah, alors attends, oui, il peut y en avoir un nombre variable en fonction de la mission qu'on a pris. Regarde, là où je suis collé, il y a 6 palettes pleines. Ouais, ouais, parce que c'est la 65 000, c'est pas la... Quoique, c'est une des plus chères, celle-là, la 65 000, non? Bah oui, parce qu'après, c'est la 55 000, sinon... En tout cas, la dernière fois que je l'ai fait, j'ai pas attendu. Ben, je sais bien, mais moi, j'avais pas attendu en 3.18.2. Oui, et normalement, en 3.19, c'est censé mieux fonctionner encore, effectivement. Après, mais bon. Là, en bas, toutes les palettes sont quasiment remplies, sauf une ou deux. Ouais, mais je sais pas. T'as vu, elles le criminel dans un ascenseur, au pire, on les tue. Hein. Elles apparaissent au fur et à mesure, c'est chelou, hein. Parce que là, c'est vraiment rempli, là où je suis. Je les ai vus où? Par là. Bon, mais on a qu'à commencer par en bas, on verra bien. Par en bas, on commence? Ouais, puisqu'apparemment, c'est le... Assassin, Jack, je t'ai vu, hein. Oh, le mec, il s'est envolé, tu l'as vu? toi, c'est pareil. Hop, hop. Mais quel assassin, celui-là? Tortionnaire, va. Sale criminel. Ah, mais ça spawn encore en bas, d'ailleurs. Ah bon? Voilà, oui, c'est parce que j'ai tué les méchants. Cette bête là, elle vient de spawn. Ah ouais, t'as vu un... Non, là, elle était vite, il y a juste quand je suis descendu. Ah, mais tu parles des boîtes, hein. Ah, ouais. Là aussi, ça spawn. Ouais, mais c'est ça, ça spawn au fur et à mesure. Alors, c'est ça que je trouve bizarre. Ça spawn quand on s'approche des boîtes où il n'y a rien. Ouais. Alors peut-être qu'elles sont déjà là, mais en fait, c'est les textures qui se chargent, en fait. Ouais. Pour le coup. Ouais, bon, je sais pas. Spart, il me dit qu'il avait pas attendu, lui. Déjà pour la 3.18.2. C'est en 3.18 qu'ils avaient commencé à corriger le bug de spawn des... Attends, il y a un ennemi par terre. Faudrait que je trouve une P4, moi. Parce que j'ai des chargeurs de P4 en pagaille. Ouais, tiens, il y en a une là. Parfait. Bon, mais de toute façon... Ah, mais ça y est, 638 sur 638. Ah bah, on peut péter, alors. Ouais. Là, on peut y aller. Mais non, mais... Oh, putain. Chiant. Ah, mais ça nous drogue en plus avec les éclats. Hein? J'ai mon... Ah non, c'est peut-être parce que j'avais pris un médicament en tout cas. Ah oui, oui. Plutôt, oui. Et non, parce que j'ai une caisse rouge qui a explosé. Ça m'a fait un peu de fumée rouge, mais je pense que... Ah oui, mais fais gaffe, par contre, reste pas... N'enlève pas ton casque, hein. Ah non, je l'ai. Bon, ça va consommer une munition. Ça.
Après, j'avais attendu 50 minutes pour que tout spawn, depuis je la fais plus. Ouais. Mais tu vois, ça marche plutôt bien hein, maintenant. On l'a fait une fois ou deux. Enfin, ça bug peut-être encore, j'en sais rien. Mais pour le peu que je l'ai fait moi, ça s'est plutôt bien passé. Reste un paquet encore, hein, 500. Bon, comme ça, on fait pas que du bunker, on fait aussi de la destruction de drogue. Il faut bien nettoyer ces bunkers de tous ces malfrats là. T'as une P4 là par terre. Ah putain, les trucs qui tombent aussi, ça fait chier ça. La F9, on la vire au sol. Ça rapporterait plus de les revendre au quartier, non? Ouais, mais on peut les ramasser pour les revendre ces boîtes-là, c'est les mêmes que... Non, non, ah ouais. On peut pas les ramasser. Il semblait bien. Par contre, ce que tu peux faire, c'est les prendre au tractor beam, ou à la mer même, ouais. Et les jeter dans le vide, là. Le problème, c'est que elles sont décomptées. Enfin, à l'époque, c'était comme ça, parce que moi, je l'ai fait une fois, ça. Je les ai jetées, et à la fin, ben, il en restait zéro, mais la mission n'a pas... L'objectif de la mission n'a pas été rempli. Ça faisait despawn les boîtes, mais ça les comptait pas pour autant. Je sais pas pourquoi, mais c'est tout de non, quoi, Coyote? Ah, de les revendre? Ouais. Au sniffer, hein. Faut avoir des certaines lines ou pas, c'est tout ça. Ouais. Merde, j'ai plus de munitions. Parce que je pense qu'il y a une sacrée dessin que je vous ai pas vu bouger depuis longtemps. Après moi je bouge très peu. C'était le troll du dimanche soir. Ouais, il n'y en a pas eu qu'un seul de troll, hein, Coyote. T'as ramassé la FS9 du gars qui l'avait? Lex? Ouais, j'avais ramassé une FS9, mais... Oula! Elle est complètement buggée quand je l'ai dans les mains, je recharge, ça me fait rien. Là, j'ai une arme, je recharge, ça me recharge pas. Pauvre dadou, oui. J'ai une D5 complet.
reste plus beaucoup. Hein. Oup, attention que je te tire pas dessus. Ah bah le truc c'est que je crois que je tire pas plus. Là c'est bon. Ici normalement c'était bon. Ah il en reste quelques-unes là. Non. Ah merde, qu'est-ce que j'ai sur moi? Ah oui. Ah mais attends, je suis con. Voilà. C'est quand même long et chiant à faire. Hein. Mmh. J'imagine pas en solo. Hein. Ouais, je l'ai fait une fois en solo, moi. À coup de poing. Hein. T'y arrives pas? Moi je pense que j'ai une arme qui recharge à l'infini. Ah c'est cool ça. Tu vois pourquoi je l'ai fait plus, même si ça a vite à spawn, c'est chiant. Ouais ouais non mais c'est vrai. Attends. Même quand j'essaie de changer d'arme, ça me ramène tout sur mon arme. Après il reste que 11 boîtes à finir là, hein. On a bientôt fini. Hein. Ah parce que moi il y a marqué 150 et ça fait 100. Non, moi il me reste 11 sur 638. C'est bizarre ouais, ça. Ouais pareil, 11. Ouais c'est moi qui ai une D5 je pense. Ah ouais, t'es D5 complet toi alors. Par contre je vois pas où ça peut être. Alors ah ouais, normalement il y a des cibles sur les dernières à buter. Ouais voilà, elles apparaissent comme les... Et elles sont en haut en fait toutes. Parce qu'on a, nettoyé tout en bas. Voilà, il en manque deux. Où ils sont les deux derniers? Là-bas, à l'entrée. Ah, mais attends, il y en a qu'une là? Narcotique. Ah merde, il y en a en bas, pardon. Il reste une boîte. C'est pareil, je vois l'ascenseur complètement défoncé. Mais putain, mais elle est où la dernière boîte? Là, putain. C'est bon, on a fini là? J'ai pas fait gaffe. Ça y est, complete. Destroy narcotics. Bon, à 3 encore ça va, ça se fait. Faudrait un lance-flamme. Non, mais il faut prendre un GP33, un lance-grenade. Et puis je suis con en fait. Il y a un truc, tu connais pas Alexa? Le coup de la... Mais j'ai pas de tractor beam par contre. Il y a des... Des bonbonnes de gaz. Tu peux tirer dessus, tu les poses au milieu des... Comment ça s'appelle des... Mais il n'y en a pas beaucoup, ils en ont mis moins maintenant. La dernière fois, j'en avais trouvé qu'une. Bon, je vais pas vous montrer ça ce soir. Hein. Enfin, ce matin. On va aller au lit. Oui, moi, je vais aller voir le docteur. Ouais. T'es sur la plateforme, Lex? Parce que je te vois à l'entrée, en fait, de la plateforme. Oui, ben moi, je suis devant et je vois la plateforme à la verticale. Ah! Et là, petit à petit, j'ai l'impression que la D5 revient, ça commence à me faire des trucs, le nombre de caisses baisse, ça me ramène sur mon couteau. J'ai plein de changements. Hein. Essaie de faire un... Attends, tiens, je vais t'appeler. Sinon, t'essaies de faire un site. Ouais, je sais ce que je veux dire. Non, ici, parti. Site. Bah, ça m'a relevé directement. Ouais, mais peut-être que ça t'a resynchro, non? Non? Non, mais le nombre de caisses baisse très vite, par contre. D'un coup. Ah ouais, t'as encore les caisses. Ah ouais, mais t'es plus là en fait. Il m'en reste 20 là. Vivement la fibre.
Ça va, t'es assis, tu fais un sitting? Même ma mobiglas, elle est de travers. Les ascenseurs qui sont fous et des 5 total. Mais en fait, c'est parce que c'est lui qui est des 5. Nous, pour nous, la mission, elle est finie. Lui, il a encore des boîtes. C'est fini, là, le décompte des boîtes ou pas? 11. Ouais, 11. Tu vois, nous, on a l'objectif complete depuis 2 bonnes minutes. Oui, c'est son bandwidth in. Oui, bah oui. Mais t'as quand même, tu m'as dit combien, 5 mégabits en descendant en montant, pardon. Ouais, normalement. Ouais, c'est 1 mégabit en montant, c'est largement suffisant, hein, en principe. Hein. Remarque, c'est vrai que comme le jeu n'est pas optimisé, si t'as des points, t'as plus de 5 mégabits et ça peut arriver parfois, c'est peut-être pour ça que ça te désynchronise. Ouais, tu vois, j'ai eu une pointe à 2 mégabits. Bon, elle dure pas longtemps, mais ça là, sature. Ça sature peut-être ton débit descendant. Ouais. Effectivement. Il reste une caisse, est-ce que ça va résoudre le problème? Peut-être. Moi aussi, j'ai une très bonne co en 4G, mais ça change rien, c'est leur base de données. Ouais, mais l'accès à la base de données est le même pour tout le monde, hein. Enfin, je suppose. Il n'y a plus de caisse affichée, mais ça... Objectif complet, test ouais. Narcotique. C'est bon. Illumination complète, contrat complet d'illumination de drogue sage. Depuis Howard, la 3.18. Donc c'est bon. Attends, depuis la 3.18, apparemment il y a des gros soucis. Bah non, tu dis non à quoi là pour le coup? Je sais pas à quoi tu dis non. J'ai aucun problème avec mon autre compte. J'ai bien reçu les rewards, mais j'ai rien qu'est-ce que. J'ai même pas fait gaffe moi si j'ai touché les sous. Non, attends, je vais tenter un jump au pire. C'est bon, il est à côté de moi, tu peux... Apparemment, t'es avec nous, là. T'es pas en train de tomber? Bon, je l'active, hein. Eh non, pour moi, je marche sur les murs, là, actuellement. C'est comme si je marchais sur les murs. Bon, j'active, hein. Tant pis, on verra bien. Ouais. Non, mais comme ça me tient droit, malgré le fait, ça devrait vraiment être une... un mauvais calibrage. La co aux bases de données est pas la même pour tout le monde. Ah bon? T'es sûr, ça? Normalement, c'est censé être la même pour tout le monde. Hormis les bugs, bien sûr, qui peuvent survenir pour l'un et pas pour l'autre, effectivement. Mais ça reste des bugs, quoi. On est arrivé. Tu peux sortir. Je vais rentrer à pied. Jack, vu que t'es blessé, tu prends la voiture. Allez, moi, je suis parti. Ah, mais il y a un mule, là, les gars. Mais c'est lui qui fait du bruit depuis le début, là. Merde, bon, je suis encore en bas, pas grave. Il est verrouillé, je peux pas le sortir. Merde, il est verrouillé, je peux pas l'ouvrir. Bon, t'attends... Non, t'es pas en bas, moi je te vois sauter. Ouais, mais pour lui, il est en bas. Ouais. Jack, t'attends Lex, et puis vous rentrez tous les deux en... Ouais, c'est pas grave. Merde. En buggy, moi je rentre à pied. Après, t'as pas été touché, Lex. Non. Au pire, tu peux des coups tout de suite. Ben sinon, pourquoi ouais. J'aurais un compte qui bloque 18 mégabits par seconde et pas l'autre? Ah non, mais ça, c'est pas forcément un bug au niveau des bases de données. C'est peut-être un bug qui a dans le client. Je vais aller au menu. On n'en sait rien, en fait. Hein. On sait pas. Hein. Tu vas au menu? Ouais, parce que là... Ok. Bah du coup, tu veux que je vienne te chercher, là? Ah ben ouais. Ah, c'est le support qui t'a dit ça? Ouais, ce qu'ils le savent eux-mêmes, vu qu'ils n'ont pas... vu qu'ils n'ont pas identifié le bug. Puisqu'ils l'ont pas résolu. Tut tut. Mais crasse pas, hein. Cet homme est fou au volant. Yeah. Vous connaissez les fous du volant? Oui. Ah merde, ça passe pas sur, ça passe pas dans le micro. À cause de la porte de bruit, le rire de Satanas. C'est pas passé par le micro. Tiens, mais cet homme est fou au volant, je vous le dis, moi. Complètement taré. Diabolo fait quelque chose. Ouais, voilà. Diabolo et Satanas.
Ben, ils savent peut-être d'où ça vient quand même, à peu près. Ouais. Tu vas ouvrir? Non. Oula, ah ouais, c'est cool, j'ai perdu tout mon stuff. Non mais en ce moment, je garde rien sur moi. C'est n'importe quoi ça aussi. Donne-moi ça. Touche le sol ou pas? Non. Oui, il a l'air. Bon, non, non. Attends. Reste pas derrière. Ouais, alors attends, tu vois, j'ai tout mon... Ouais, mais en fait, il est pas par terre, il est dans le... Ah, mais il y a une carcasse de vaisseau, là. Ouais. Il faut que tu te lances, hein. Tu vas pas arriver à monter le... Ah non, si, ça passe. Tu vois, je t'avais dit, Lex, hein, avec les pneus plus larges du STV, que le PTV, il rentre plus facilement, quand même. Il a pas les pneus aussi larges que le Cyclone, peut-être, mais pas loin. Bon, on t'attend, Lex, tu te reconnectes. Ouais, mais j'ai vu, j'ai respawn à l'orbite, donc allez-y. Ouais, ouais, non, mais ça, je m'en doutais. Il y a combien de temps il va prendre pour me connecter au serveur, je me demande. D'ailleurs, tu t'éco, nous on va déco là. Hein. Oui, bah, je pense que je vais arrêter aussi. Wouah, je peux même pas rentrer dans ta tourelle. Ah bon? Pourquoi? Tu l'as cassé encore? Tout le temps en train de casser mon vaisseau, lui. Hein. De toute façon, elle est pourrie. Il est pourri, toi. Mais c'est pas vrai. Tu mens. Oula, merde, c'est vrai, il y a la. Fuis, pauvre fou. Ouais. Oui, il y a la défaite. Voilà, on est 10 spectateurs. Tout ça? Ouais. C'est pas vrai. 11 maisons. Ouais, s'il y a un bot de plus qui est arrivé. C'est peut-être pas un bot en plus. Ça se trouve, il y a quelqu'un qui va faire dans le chat bonjour. Ouais, mais n'hésitez pas à dire bonjour à ceux qui sont là en lurk. Vous avez même une commande de point d'exclamation lurk qui marche très bien. Et vous pouvez même suivre la chaîne, ça vous coûte qu'un clic. Et si vous voulez vraiment rester discret, bah, attendez la fin du live pour suivre la chaîne. Comme ça, il y aura. Les bits aussi. Il n'y aura pas de notification. Non, mais moi j'ai pas les bits. Aussi. Oh, le mendiant. Pardon. Les follow, pas tout. Non, mais après, oui. Après, tout ce qui est, tout ce qui demande pas d'argent, voilà, moi, je... Moi, j'hésite pas à demander... voilà, ça demande un clic. Ça booste la chaîne et ça coûte pas d'argent aux gens qui le font, quoi. Bon, faudrait peut-être lancer le moteur Quantum pour rentrer à la maison, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça sert des fois, non? Ah, Spartan, il nous a partagé des images. Je t'ai mis quelques screens sur ton Didi. Ouais, mais tu sais quoi? Je vais pas aller voir... j'irai voir demain. Hein. Ah oui? Enfin, oui, ce soir, j'irai voir. Il a mis quoi sur ça? Les images de ce qu'il voit... quand il est buggé? Mais c'est clairement ce que j'ai vu quand j'étais avec vous, là, à l'instant. Ah ouais? Ouais, alors à savoir après, est-ce qu'il faut qu'ils optimisent encore le netcode ou est-ce que ça vient du jeu qui n'est pas optimisé pour le coup? T'es à l'orville, Lex? Non, je ferme pour relancer carrément parce que là, c'est un chemin fini, les entités étaient bloquées. Oh, mais attends, j'ai Evrus Arbor là, c'est parfait, je vais pouvoir. Non, le problème vient de leur côté serveur, c'est leur machine qui se coupe. Oui, oui, mais est-ce que. Est-ce que le souci se passe au niveau de la gestion du netcode du jeu ou est-ce que le netcode il est bien optimisé mais comme le serveur en lui-même ne l'est pas, la bande passante ne te suit pas quoi, en fait, même si le netcode est bien optimisé. Tu comprends ce que je veux dire? Toi qui es développeur. Oui, en fait le problème ça va être côté serveur parce qu'en fait Star Citizen c'est fait. T'as le côté client où chacun charge sa partie avec l'objet conteneur streaming. Là, c'est vraiment chacun charge l'endroit où il est et ça décharge le reste. C'est vrai. C'est-à-dire que le serveur, lui, il charge l'endroit pour chaque personne. Donc là, par exemple, il nous chargeait trois fois la zone où on était. Ouais, ouais. C'est ça qu'en fait, il n'arrive pas encore bien supporter parce qu'il charge un endroit dans le serveur pour tout le monde.
C'est vrai que ça, ça se passe ça comme ça. Pas encore à supporter. Tiens, pourquoi j'ai pas eu le message pour atterrir gros, non. Non. Je suis dans le volume là. Hein. C'est un volume. Hein. Même si t'arrives en hauteur. Quand tu auras tout ce qui est Vulkan pour la technologie carte graphique, tous les objets qu'on a en streaming bien fixés, tout ça, ça ira mieux. Dont le server machine aussi qui va répartir les systèmes sur plusieurs serveurs. Et justement, vu vivement que Vulkan arrive, parce que Star Citizen fonctionnera beaucoup mieux sur, sur Linux. Mais déjà, normalement, s'ils le font, pour l'instant, c'est un serveur pour un système solaire. Si le server machine passe bien, on devrait peut-être pouvoir passer à deux serveurs par système solaire pour diviser la charge en deux. Système stellaire. Oui, système stellaire. Du coup, il y aurait deux serveurs pour Stanton et deux serveurs pour Pyro. Parce que il y aura le système solaire, hein, mais pour la version finale. Oui. Et pour l'instant, ouais, système stellaire, on aura Pyro. Et s'ils font bien leur server mashing, deux serveurs par système. Enfin, à moins qu'ils sortent le système solaire pour la bêta et pas pour la version finale. Je sais plus ce qu'ils ont dit à ce niveau-là, je me rappelle plus. Bon, de toute façon, la bêta pour moi, c'est pas avant 10 ans. Oh, 10 ans, je pense pas là. Je pense qu'ils vont progresser beaucoup plus vite. Et quand Squadron 42 sera sorti, déjà toutes les équipes seront affectées à Star Citizen. Et nous, ça nous donnera une idée de ce que ça pourrait être le jeu. Et ça poussera peut-être des gens à soutenir plus le projet. Ou alors ça va rendre des gens sceptiques. C'est Squadron 42 qui va décider là-dessus. Oui, bah oui, parce que c'est. C'est celui-là hein, qui sortira en premier hein, de toute façon. Oui, bon. Je pense qu'on peut l'espérer d'ici 2 ans. Qui Squadron 42 ouais. 2 ans. Ouais, oui, peut-être, oui. Ouais, tu vois, j'ai encore perdu des munitions là, mais en fait, non. Elles sont là. Oui, mais en plus, elles vont dépouiller du vaisseau et elles vont revenir dans ton inventaire sur ta combi à la fin. Quand tu te recourras demain, si t'avais tout, tout sera encore là. Non, non, là tu vois, hop, tu vois, je me suis désapé, elles y sont plus là. Ouais. Parce qu'en fait, elles sont attachées à mon corps armor. Et du coup, elles sont venues dans l'inventaire local. Ouais. T'as pas éteint le STV, Jack, hein. Tu crains, hein. C'est comme ça, quand l'inventaire va être physicalisé. Ah, t'avais coupé le moteur quand même. Ouais, bon, c'est bien. Mais je coupe les systèmes où avait la touche U aussi, parce que sinon ça fout un bordel du diable. Le cyclone, le rock. Le serveur ne joue pas là-dedans, j'ai essayé avec deux comptes sur le même serveur. Ouais, pour le coup, je sais pas de quoi tu parlais précisément, parce que... Ouais, sûrement de son bug. Oui, en gros, il a dû y aller avec deux comptes sur le même serveur, et il avait que la D5 sur un compte. Ah oui, d'accord. Ouais, mais il faut tester en suivant, hein, parce que tu sais que le serveur, il lance, et puis tu peux avoir de la D5 qui arrive au fur et à mesure de la durée de vie du serveur, puisqu'ils finissent par planter, puisqu'ils finissent par saturer et planter. Donc faut tenir compte de ça aussi. Ouais, je le store. Ouais, j'ai pas besoin d'aller à l'hosto moi. Je vais me faire une petite bière. En vrai ou en jeu? Non, en jeu. J'ai pas de bière ici à la maison. C'est dommage, hein. Pour le bandwidth in, ouais. Non mais d'accord, mais chaque fois que je prends un compte injouable et l'autre pas du tout. Oui, non mais oui, mais il faut, quand tu fais le test, il faut bien le faire en revenant sur le même serveur et puis quasiment en suivant, parce que si tu viens sur un serveur, par exemple le 18 sur le 10 sur lequel on est là et qui pour l'instant est frais, mais si tu y reviens dans une heure ou deux, peut-être qu'il sera pas aussi frais, donc. Faut bien tenir compte de ça, quoi.
Attends, je vais ranger mes... Je vais mettre toutes mes bouteilles à la poubelle. Ben oui, c'est ce que je fais. Je join mon ami, ça marche pas, je change direct, j'attends pas une heure. Ouais, non, mais en même temps. Mais alors, pour le coup, ton compte sur lequel t'as le bandwidth qui sature là, ça te le fait pas tout le temps alors? C'est pas permanent? J'ai eu le temps de tester depuis la 3.18. Si, ah oui, donc tu peux pas du tout jouer alors, jamais à ce compte. On est d'accord. Heureusement que t'as le compte de secours alors pour le coup. Après malheureusement il doit pas avoir tous ses vaisseaux du coup. Ouais non, mais. Tous ses vaisseaux ils sont sur l'autre compte. Pendant la free fly là je me suis auto-référal moi. Parce que j'avais justement mes inventaires qui étaient en loading infini. Et j'ai pas acheté de pledge sur le compte secondaire. Puisqu'il y avait la free fly et que le bug me concernant a été corrigé. Avant la fin de la free fly. Mais j'hésite de plus en plus à m'acheter au moins un petit Aurora, quelque chose. Sur ce second compte. Et ce que je voulais faire au départ, c'était m'acheter un cutlass. Pour me le give sur mon compte principal. Pour avoir le cutlass en plus. Mais finalement, j'hésite. Parce que si un jour j'ai un gros souci avec mon compte principal. Que je puisse plus jouer avec comme toi, Sparte. Que je puisse jouer avec un compte secondaire. Merde, mais c'est vrai, il y avait cette poubelle ici. Putain, je me rappelle jamais qu'il y avait c'est cette poubelle. Un game package le plus bas. Le moins cher. 54,54€ hors promo parce qu'il y a non, le haut. 50,22€, le Mustang ou le. 50,22€? T'es sûr qu'il est pas en promo? Non, pas en promo. 50,22€. Ouais, je le vois. Ah bon? Ça. Et le Mustang c'est 50,22€ aussi. Après, ce qui est chiant maintenant c'est qu'il n'y a plus les accès à Squadron 42 comme nous on avait quand on pledgeait avant. Ouais, mais moi je l'ai pas acheté Squadron 42 de toute façon alors. Mais moi à l'époque pour 60€ t'avais Squadron 42, ton starter et Star Citizen. Avec quel vaisseau moi c'était un Aurora, Squadron 42 et Star Citizen c'était 70€ à l'époque. Ouais, moi j'ai préféré dépenser, à l'époque moi j'ai dépensé 76,76€ et j'ai préféré acheter un Titan sans Squadron 42 mais avoir un vaisseau plus confortable que l'Aurora ou le Mustang. Ouais, mais après moi c'est parce que du coup à côté ben, j'ai pris un Ro, un Prospector. Mon oui, mais t'as acheté. Est ouais. Devenu un Galaxy et après j'ai pris un Perseus. Ouais, t'as acheté plus de vaisseaux. Moi, il faut que je fasse attention aux finances. Donc, voilà. Oui, moi, vu que je suis chez mes parents, je suis étudiant, ça. Ouais, donc tout le temps sur mon compte principal. Ouais, donc c'est. Tu peux rien faire avec. Parce que moi, ça me ferait chier de perdre mon compte principal. Ouais, obligé de prendre un compte secondaire. De toute façon, j'avais le chargement infini de la 3.18 au bout de 2 semaines. Et le peu de crédit que j'ai farmé pendant que j'étais en free fly sur mon compte secondaire, ben, je les ai virés sur mon compte principal. Bon, ceci dit, ça a servi à rien parce qu'il y a eu un wipe quand même. Oui. Ah non, attends, je dis des conneries. Parce qu'on était déjà en 3.19 pendant la free fly. Parce qu'elle a été déployée 2 jours avant. Après, est-ce que vous jouez en PTU, vous, des fois? Oui, moi j'ai joué en PTU. Moi oui, j'ai joué en PTU. Mais pour la 3.19.1, je sais que je venais d'acheter juste la veille, moi, un Prospector, ce qui fait que j'ai perdu 2 millions dans l'histoire. Il a essayé le caractère hyper quand même pour le blocage sur... Ouais, non, mais il a essayé 10 fois. Ah, ok. Ouais, non, mais... Et moi, c'est pareil, il a même quand... fait une requête, je crois. Ouais, oui, il a contacté CIG qui lui a répondu je sais plus quoi. Mais il l'a dit tout à l'heure déjà, enfin, il l'a réécrit. Parce qu'il l'avait déjà écrit l'autre jour, donc de toute façon, voilà. On touche du bois qu'on n'ait pas de blocage. Nous. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je sais plus ce que je voulais dire. Bon, c'est pas grave. Bon, de toute façon, je vais vous laisser là. Hein? Ouais, moi j'y vais aussi. Ouais, parce que pour le coup, ah bah ouais, ça fait bientôt, ça fait 3h43 que je suis en live. Hein. On a dit tout à l'heure, c'était il y a 3 quarts d'heure. Hein.
Donc ça je passe tellement vite le temps. Ben ouais, quand t'es dans Star Citizen, tu sais quand tu commences, tu sais pas quand tu finis. Bon, bonne nuit les gens. Ouais, bonne nuit bonne Jack, nuit. Merci pour la soirée. Ben, de rien. Je vais quitter le jeu. Ah, à plus. Ça fait du bien. À plus dans le bouche. Plus. Je remets cette scène. Il n'y a pas grand chose dessus, mais il y a le chat au moins. Je vais raccrocher sur Discord d'ailleurs. Hein, Ah, il a même formaté son PC comme le support lui a dit, mais il n'y a pas besoin de formater le PC. Non, le formatage, ça sert à rien. Hein. Bref. Encore, il supprime le fichier des shaders peut-être, mais. Non, alors moi ce que j'ai fait quand j'ai eu mon problème de chargement infini des inventaires, alors j'avais tous les inventaires qui étaient en chargement infini, sauf les inventaires que j'avais sur moi, les inventaires personnels. Ceux-là se chargeaient bien, parce que j'avais une combi sur moi, enfin une armure. Et tous les autres inventaires, les boîtes extérieures, les inventaires locaux des stations planétaires ou orbitales, ça voulait pas se charger. J'ai carrément désinstallé, réinstallé le jeu complètement, en effaçant tout le dossier, tous les dossiers, puisqu'il y en a plusieurs, de Star Citizen d'ailleurs. J'ai tout effacé, j'ai tout réinstallé. Le formatage, ça sert à rien par contre. Hein. Ouais, parce que si on a les fichiers, généralement, tout ce qui est les configs qui vont gérer ça, ils sont rangés dans le app data local. Ouais, ouais. Formaté, ça sert à rien, on sait pas. Si jamais j'avais une merde sur le PC, non. Non, mais le Windows Defender, au pire, tu fais une petite analyse et il flûte rapidement si t'as une merde. Non, puis il n'y a pas que ça. Moi, j'utilise un petit outil pour nettoyer aussi. Oui, il supprimer les. Cleaner, les trucs non, non, ça. Pas ça. Moi, j'utilise BleachBit. Oui, ADW Cleaner, oui, pardon. ADW Cleaner, je l'utilise pour nettoyer les éventuels objets malveillants qui pourraient se trouver dans les navigateurs, par exemple. Ouais. Pas que, mais là aussi. Et après, sinon, généralement aussi, Microsoft Defender fait bien le taf. Oui. Bah, écoute, moi, justement, c'est ce que je fais sur les machines des clients. Je leur fais des révisions. Et là, ça fait depuis Windows 10, les dernières versions de Windows 10, je trouve très, très rarement des virus dessus. Bon, par contre, il y a des problèmes avec le software distribution, le dossier qui stocke les téléchargements des mises à jour. Donc celui-là, je le nettoie, je l'efface. Ouais. Et j'utilise un petit logiciel pour faire ça parce qu'il fait pas que ça en fait. Il me fait plusieurs trucs. Oui, il automatise les processus. Voilà. Ça, c'est un gain de temps. Voilà. Par contre, j'utilise pas. Comment il s'appelle ? CCleaner. Hein. CCleaner, je l'utilise pas parce qu'il y a. Bon, ça date d'il y a 5 ans de ça ou même plus maintenant. Il s'était fait. CCleaner s'était fait. Pirater ? Ouais, pirater leur serveur de. Où ils stockent, où tu télécharges, enfin, où sont stockés les CCleaners que tu télécharges. Et ah, les pirates, ils avaient remplacé par leur version ouais, points, qui était les bien verrouillée. Par des ouais, chevals. Ouais, voilà. Ils avaient foutu un cheval de Troie dedans, ou je sais pas quelle autre merde, j'en sais rien. Hein. Voilà. Et donc, depuis, j'ai arrêté et j'utilise BleachBit. BleachBit, qui d'ailleurs, il y a une version Windows, il y a une version sous Linux d'ailleurs, pour le coup. Et tu peux sélectionner pour nettoyer tous tes navigateurs, pour nettoyer le système, pour nettoyer aussi pas mal de dossiers cache de pas mal d'applications. C'est pas mal, comme ça je coche tout et puis hop, je nettoie. En une seule opération, je nettoie tout ça. Ouais. Voilà. Bon. Bonne nuit, je vais raccrocher sur Discord. Je vous donne rendez-vous mercredi soir maintenant, pas avant. Donc profitez-en pour aller sur les lives de qui vous voulez, jusqu'à mercredi. Mercredi, vous revenez ici, c'est impératif. Ce mec qui fait sa pub tranquille, qui impose aux autres. C'est la dictature. Oui, voilà, c'est de la dictature ici. Ah, mais quand tu te trouves sur le chat d'un live, tu es sur une autocratie. Hein. C'est pas une démocratie. Hein. C'est le. Une théocratie plutôt, non ? Ah, j'aurais dit une autocratie, moi, parce que c'est la streameuse ah, oui, oui. ou le streamer qui décide. Oui. De ce qui se passe ou pas sur son chat. Oui, parce que du coup, on dit un auto da fé si on fait quelque chose contre lui, donc oui, auto. Ouais, voilà. Ouais. Et Spark, je t'ai déjà dit, le premier émoticône, tu peux l'utiliser, mais les autres, interdit aussi. Hein. La tronche de Terada, je veux pas la voir sur mon live. Je vais me faire incendier par Terada, moi, tu vas voir. Bon, je te laisse, Lex, à mercredi si t'es dispo. Oui, je serai dispo, je suis en vacances jusqu'au 30 août. Les mecs toujours en vacances, bon, hein, ces étudiants quoi, qui font rien de leur journée. Hey,
Et rentrer le train le 30 août quand même. Ouais, t'aurais intérêt à te mettre au boulot, hein. À plus, ciao. Ciao. Bonne nuit. Bonne nuit. J'entends bien, mais je m'en fous. Là, voilà. Voilà, vous avez la preuve de l'autocratie, là. Voilà. Je décide d'effacer les messages que je veux. Allez, je vous laisse, je vous mets le générique de fin et je vous dis à mercredi 21h30. Ciao! Il y avait longtemps le générique qui est tout pété et qui apparaît en double. Tout va bien, tout est sous contrôle. Bonne nuit. Ciao.